oublié d'aller mettre le son. Voilà, je recommence. Bonjour tout le monde, j'avais oublié de mettre le son. Alors, bienvenue tout le monde ici, voilà. Salut Thunderben. Bienvenue à tous pour l'épisode 7 du streamer du dimanche. Merci à tous d'être là. Et nous sommes partis pour quelques 90 minutes de pur bonheur. Alors, je voudrais d'abord remercier déjà et dire bonjour à Thunderben qui est là. Salut à Fox Dark Spirit d'être présent. Miss Gremlins qui va suivre son chouchou dans un instant en live. Et salut, c'est Navella. Qui vois-je d'autre? Bah, jusqu'à maintenant, c'est bon dans le niveau du chat. Voilà. Tu vas bien, Miss Gremlins? Donc, on t'a pris ton homme hein, pour un petit moment. Et on te le rendra à la fin de l'émission. Donc, voilà. Alors. Donc aujourd'hui, pour l'épisode 7, nous allons parler un petit peu de l'actu. Nous allons parler du lore Banu avec notre invité Gremlins. Nous avons également Zetoya qui sera présent. Et alors je vais vous donner aussi les différents chroniqueurs du jour. Il y aura Sunday Stars au niveau de Stanton. Hein, donc vous l'aviez voté la dernière fois. Et on fera un focus chip sur le Caterpillar. Alors je vous affiche dans un instant très très bref. Les amis du jour, voilà, qui s'affichent en bas à gauche, et leur petit nom, voilà. Donc nous avons aujourd'hui Nekové avec nous, nous avons l'amiral Trent également. Bonjour. Voilà, nous avons Spectre Demons avec nous, s'il nous entend. Je pense que oui. Oui, ah, voilà. Et nous avons Zoko. Bonjour à tous. Voilà, donc nous aurons en plus Zetoya avec nous. Qui n'a pas pu se connecter sur son PC aujourd'hui. Hein. Il a eu un petit problème technique. Hein. Il lui faut une nouvelle machine ou en tout cas des réparations. Et en invité, nous avons Gremlins aujourd'hui qui nous parlera du lore Banu. Alors, bonjour à tous. Voilà. Alors, bienvenue à tous. Bah voilà, la team du jour s'affiche là sous vos yeux. Regarde si. Bonjour Lorgar. C'est ça, Lorgar SC. Bonsoir à toi. Donc, on va directement démarrer au niveau de l'actu. Et je lance ici l'inside. Donc, on va un petit peu rebondir sur les différents sujets. Donc, comme à son habitude, je ne vais pas mettre... J'arrête très très fort. Et je vais directement passer aux différents visuels. Alors, donc aujourd'hui, on reprend un petit peu d'abord les petites infos d'actu. Et donc, ça a été assez riche parce qu'il n'y en a pas eu deux émissions, mais trois émissions en tout cas produites par CIG. Il y a eu l'inside. Il y a eu le live, effectivement, hein, qui nous a parlé de la façon dont on fabrique les casques pour Star Citizen. Et quelque chose d'un petit peu d'inattendu, on a eu Introducing, donc une nouvelle émission. On verra bien si elle va perdurer. C'est PR Talk. Alors les amis, qu'est-ce que vous avez pensé d'abord de PR Talk? Alors ça se dit Pilar Talk. Hein. Pilar. Il y a deux L, mais on dit... Voilà, tu le dis un peu à la façon pillard, mais non, ouais. c'est pillar, pilatox, donc ce qui signifie la discussion du pilier, donc c'est ce qu'ils comptent faire tous les quarterly release, ou presque à la fin des trois mois qui font que la 3.6 arrive là. Mm-hmm. Donc c'est leur façon à eux de faire un peu un résumé de ce qui a été fait et ce qu'ils espèrent pouvoir avoir en 3.6, et évidemment ils feront normalement, on espère comme tu dis, qu'ils vont faire la même chose en 3.7, en 3.8, etc. Voilà. Alors on reviendra sur les sujets juste après, donc on va commencer par l'inside. Donc voilà, sur les trois sujets de l'inside, il y avait les stations, donc les stations et la création de nouvelles stations en nombre et de façon procédurale. Il y avait aussi un petit exercice un peu sympa concernant le... comment je dirais bien... concernant le barman, et nous avions en troisième lieu le rework du Vanguard. Voilà, donc concernant les stations, qu'avez-vous un petit peu pensé, les amis, stations, énorme, je veux dire, de la façon dont ils les font? Elles sont énormes, déjà rien que la taille. Si tu as vu les tailles des stations que ça va être, oui. Si je puis dire, il y a un truc qui est pas mal aussi. La forme change parce qu'on va avoir quelque chose qui ressemble beaucoup plus à une soucoupe. J'ai eu l'impression une seconde de revenir à l'époque Capitaine Flamme, je te jure. Ça me fait beaucoup penser à Star Trek aussi, ouais, Capitaine Flamme. Ouais, c'est ça, mais très circulaire, très cliché, espace, très volant. Je suis un peu d'accord avec toi.
avec Thunderben ici dans le chat, tout n'est pas beau. En tout cas, tout n'est pas encore. Je sais pas si c'est terminé, non, on verra voilà, bien. C'est pas fini, c'est non, pas c'est terminé, clairement mais... encore du concept. Hein. On voit qu'il n'y a pas de texture sur la moitié des structures qu'ils mettent aussi. Oui. Ce qui est bien, c'est que ça va apporter pas mal de diversité au niveau du paysage. Quoi, dans le... Je pense que ça. Elles se différencieront en fonction des. Remplir. Bonjour Wazix, bienvenue parmi nous. Non, clairement, on va avoir des stations qui, comme il disait, il me semble dans l'inside, il disait justement que suivant leur rôle, il y aura une différente structure, même si ce sera quand même généré procéduralement, il y aura quand même l'artiste derrière qui va valider la régénération. Donc on espère qu'il y aura quand même une certaine logique derrière ça. Maintenant, en même temps, rapport à la taille tout à l'heure, excuse-moi. Tu disais, c'est vrai qu'elles ont l'air très très grandes, mais ils prévoient peut-être pour accueillir les futurs gros vaisseaux, comme le 890 ou les Hulls par la suite. J'ai eu un débat tout à l'heure justement à ce sujet par rapport aux stations et par rapport justement aux gros vaisseaux. Ici, quand le 890 va sortir, et non pas la 3.6 comme vous avez pu voir, mais à la 3.6X, donc à patch 1 ou 2, on pourra en tout cas le faire arriver, que, en tout cas le pop, à l'Area 18 ou à l'Orville. Et je me disais au niveau des stations spatiales, qu'elles aient ou qu'elles aient pas un patch, pourquoi pas faire comme pour les bateaux, c'est-à-dire avec le 890, lorsque tu le demandes sur Port Olizard, ben fatalement, il te met sur une plateforme le 85X et il te pop le 890 à 500 mètres autour de la station. Il me semble que ce serait quelque chose de viable. Mais... Ce serait une idée sympathique, mais t'imagines tous les gens qui vont essayer de ramer le vaisseau ou d'entrer dedans pendant que tu vas dans ton 85X et que tu essaies d'aller dessus. Ouais. Bah, le 890 de toute façon est fermé et c'est une fois que le capitaine est à bord qu'il peut déverrouiller. Donc, Oui, mais autre on a problème. Vu les bugs qu'il y a avec le Caterpillar. Vas-y, Spectred. Autre problème que ça donnerait, c'est au moment où tu veux t'arrimer à une station pour y faire rentrer des gens ou descendre des gens. Ce serait pas fonctionnel, ça. Ouais. Ou tout simplement refuel ton vaisseau. Oui, voilà, mais dans ce qui est faisable. Enfin. Ce qui est possible et ce qu'on voit dans pas mal d'univers, c'est une sorte de bras tout simplement qui se déploie et qui est en fait une espèce de tunnel avec un sas au bout et qui permet de s'arrimer à un des sas du vaisseau et de rentrer dedans, tout simplement. Enfin. Disons que voilà, tout est possible, mais c'est vrai qu'ici, on peut, parce que pour l'instant des stations, parce qu'ils avaient l'air de dire qu'on en avait déjà quelques-unes, si on note vraiment tout, les crues, elles, etc. Enfin, je les ai pas comptées, mais on en a quoi pour l'instant? Une vingtaine, vous diriez? Si on compte vraiment les constations. Il y en a qui sont pas en jeu. Une dizaine, oui, voilà. Voilà, une grosse dizaine. Donc ici, ils avaient l'air de dire que ça permettrait en tout cas d'en implémenter un bon paquet. Ben, voilà, j'aimerais juste voir un petit peu quelle quantité on va en trouver. Et ils se disaient même qu'on pourrait même plus tard en posséder, même. Donc on verra bien. Ben, il faudra vraiment beaucoup d'argent. Je pense pour en posséder. Sinon, quelque chose d'autre à dire sur le design? Et vous, dans le chat, qu'est-ce que, bon, à part effectivement la remarque de Thunderbend qui vaut ce qu'elle vaut, et puis ça reste toujours de toute façon qu'une question de goût et c'est subjectif, mais via cette façon de l'écrire de façon procédurale, ben, aucune ne devrait être identique, je pense. Hein, donc, moi, ça m'inquiète un peu quand même, le procédural où tu vas peut-être avoir encore des endroits où c'est pas bien fixé, où tu as des espaces. Parce qu'actuellement, tu as l'Orville où tu vois les bâtiments flotter. Si ça nous fait encore des stations un peu buggées comme ça, ça va pas être terrible. Oui, tout à fait. Alors sinon on peut passer au sujet si on a un petit peu fait le tour au niveau de ces stations. Mais enfin elles ont l'air vraiment de pouvoir être très très grandes. D'ailleurs on a vu déjà au niveau des textures. Déjà on voit les hangars, t'as vu les places qui... Voilà. Les landing pads c'est la taille 0 je pense, la plus grande taille. Et tu vois qu'ils s'éloignent sur la caméra et tu vois le truc... Ah oui. Par contre on n'était pas habitué à ces anneaux aussi fins. Moi ça m'a un peu perturbé sur le moment même. Donc voilà. Alors, sujet suivant, qu'on a entendu parler en tout cas dans l'inside, c'est qu'effectivement jusqu'à maintenant, les serveurs, ils n'étaient pas capables de faire grand-chose, et pour cause, ils ne s'y sont pas encore énormément attardés, mais ils ont été mettre du motion capture, comme pour Gary Oldman, ils ont été mettre un bonhomme, on le voit d'ailleurs à un moment donné, je sais plus, je peux remettre directement cette image-là, voilà. Donc ils ont été mettre du motion capture pour vraiment filmer quelqu'un de particulier. Donc pour vous, vraie news, vraie actu ou pas du tout?
Pour le barman, c'est rigolo. Je pense que c'est un plus un sketch. C'est quelque chose qui est pas du tout utile pour le moment. C'est très bien, ça va leur permettre d'améliorer leur outil pour animer les personnages. Mais le barman, c'est quelque chose qui est franchement pas prioritaire. Et faut savoir que toutes les animations dans le jeu sont déjà en motion capture. Donc même quand ton personnage marche, quand tu vois un NPC marcher, c'est déjà de la motion capture. Donc c'est pas le côté. Moi je trouve ça bizarre de commencer par un barman, quoi. Ouais, pourquoi pas. Juste petite pause ici, question de Fox, les gars, par rapport aux stations. Donc rien à voir, mais là, contre la station volante de Crusader Industries, je sais pas si tu parles d'horizon, Fox. L'atmosphère va avoir un impact lors de l'atterrissage. Là, tout dépend, je suppose, enfin en tout cas de ces plateformes et de ces stations, parce que c'est plus des plateformes que des stations, hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, En fait, techniquement, sur ce sujet, justement, oui, parce qu'en fait, elles sont dans les couches hautes de l'atmosphère. Donc, l'atmosphère, elle est fine, elle est fine au niveau de sa densité. Après, au niveau de gravité, on n'a pas encore l'information, parce qu'on sait qu'elle a quand même un cœur rocheux, mais j'y reviendrai tout à l'heure dans le Sunday Star. Donc, effectivement, il y aura une gravité et une atmosphère qui aura potentiellement un impact. Ça paraît très logique. Donc voilà, oui c'est clair. Et de toute façon on ne pourra pas enlever notre casque autre que à mon avis dans des zones pressurisées. Ah si, justement, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est respirable en fait. Bah alors voilà, il faudra nous expliquer, effectivement. Alors, troisième sujet, ils ont parlé du rework, Divine Guard, que je vous affiche ici. Moi je dois vous avouer que là moi je connais ça assez peu. Bon, on n'a pas notre ami Crimi aujourd'hui qui lui a pris un petit jour de congé et c'est bien naturel. Mais on a, voilà, effectivement sur le Vanguard je le connaissais assez peu. J'ai retenu en tout cas que le train arrière se dotait d'une chenille et qu'il y avait effectivement ici, comme on peut le voir à l'écran, alors ce missile là qui se mettait sous des panneaux. Mais voilà, c'est assez discret. Effectivement. C'est un rework pour devenir plus correct par rapport au concept en fait. Si on regarde sur les images du concept de l'époque, il y avait les moteurs qui étaient en mode glowy, chaud, couleur soleil. T'avais dans le concept aussi cette roue à l'avant et ces chenilles à l'arrière, alors que quand ils l'ont réalisé la première fois, il n'y avait rien de tout ça. Il y avait les moteurs qui étaient un peu devenus métalliques, il y avait des roues, c'était, il me semble, juste des trucs plats. Hein, c'était pareil au niveau de l'arrière, comme on voit là sur l'image. Voilà, ils avaient aussi des structures à l'arrière, donc c'est plus du mea culpa de CIG pour dire attendez, le concept c'était pas ça, on va aller améliorer, on va revenir au concept, et vous allez avoir le vaisseau que vous avez acheté par rapport aux images que vous aviez envie. Donc c'est plus un côté service community qu'autre chose. Il y a l'intérieur aussi, il me semble, qui a été revu et agrandi. Tout à fait. En fait, ils ont même carrément élargi le vaisseau. Hein. On voit sur la vidéo un peu en dessous. On voit que déjà la partie qui s'abaisse pour faire entrer du monde, ils disaient voilà, on l'a agrandi pour qu'on puisse rentrer à plusieurs en même temps, parce que ça permet de se faire la queue leu-leu. Équivalente à la version du Hoplite en fait sur tous les modèles. Voilà, et du coup ben l'intérieur aussi est plus large, t'as plus d'espace, ça va être sympa à revoir. Alors juste une petite info importante, parce que je suis en train de me faire spoiler. Vous remarquez dans le chat qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Commander Fan et qui est en train de discuter, et il a pas mal de fautes d'orthographe. En fait, c'est mon fils de 11 ans qui m'a chopé ma tablette et qui discute à l'autre bout de la maison. Alors voilà, si, je vous raconte pas à 20h30 comme je vais aller le choper après quand ça va être terminé, parce qu'il est en train de spoiler le truc. Donc qu'il arrêtera de travailler, les enfants. Donc voilà, mais comme il n'est pas tout prêt, et puis qu'on est en pleine émission, je sais pas aller le chercher. Non, c'est rigolo, t'as ses réactions en live. Voilà, faites des enfants. Alors voilà, je voulais remercier Akrimibas pour la précision qu'il a donnée il y a quelques instants concernant le fait qu'ils veulent se rapprocher du concept original. Donc voilà. Et le coucou, Gremlins, le baby Commander Fran s'appelle William. Voilà. Donc, c'est le petit qu'on a vu au. Au Bar Citizen. Tout à fait, oui. Mais il jouait. Voilà, tout à fait. On l'a assez peu vu. Il était avec sa Nintendo Switch. Avec sa Switch, il était en train de jouer à Fortnite avec sa Switch dans le fond du Bar Citizen. Donc voilà. Est-ce qu'il aura un Aurora à son anniversaire? Je ne sais pas. On verra à 12 ans. Mais déjà, il lui faudra un ordinateur. Enfin, on s'est écarté un peu, mais il lui faudra un ordinateur digne de ce nom. Parce que je lui avais installé un PC et je lui ai remis un SSD. Et Fortnite ne tourne pas sur son PC.
Donc du coup, il pique l'Xbox One du salon. Donc du coup, on peut même plus regarder la télé. Bref. Ouais. Tu t'éloignes du sujet. Je m'éloigne du sujet. Alors, je vais repasser par contre, donc ici sur l'inside, ben, je sais pas, à mon avis, il n'y a plus grand chose à dire. J'avais envie de switcher directement sur les wearables. Enfin, l'accent est déplorable, je le sais. Les quoi? Les wearables. Comment les wearables. Ah oui, c'est pas si facile. On peut se moquer. On peut wearables. Voilà, on peut se moquer tant qu'on veut. Les objets portables. Les objets portables. Tu veux dire quoi, les attachements aux armes? Ici, lors du live qui a duré une heure, malgré tout, ils ont montré beaucoup comment ils faisaient les casques et les nouveaux casques qui sont ici en attente. Ah, les... D'accord. Alors, il y a Silverbird qui va nous aider à les prononcer, donc les Warbells. Ouais, voilà. Ah, ouais, c'est bien, on peut essayer de prononcer comme ça. C'est pas du tout. Donc, voilà, on va y arriver. Bref, on va dire que ce sont tous les l'équipement portable ou casque à crête, oui, on peut dire ça. En tout cas, ici, ce sera les casques à crête. Donc, les gars, bah, je sais pas, Zoko, dis-moi, toi qui pilote et qui est en train justement de nous gratifier d'un super lever ou coucher de soleil, as-tu vu un petit peu le live ou qu'est-ce que tu penses de ces casques colorés? Bah c'est pas mal, ça ajoute un petit peu de nouveauté, ça, un peu comme la personnalisation des vaisseaux comme on a vu il y a pas très longtemps, donc c'est toujours bon à prendre. Ça a l'air d'être effectivement très haut en couleur. Je suppose qu'ils ont cette fois-ci prévu de pouvoir y mettre une tête d'homme ou une tête de femme, parce que je sais bien que ça avait posé problème au tout début, quand ils avaient implémenté ou ils voulaient implémenter tous les wearables. Je vais y arriver dans Star Citizen. Mais oui, avec le nouveau modèle féminin, ils avaient un gros problème. Ouais. Mais bon, voilà, qu'est-ce qu'ils nous ont montré? Parce que moi, je dois avouer que je n'ai pas suivi tout le live, mais ça a l'air quand même quelque chose d'être très complexe. Et il y a des dizaines et des dizaines de pièces à assembler dans ce genre d'équipement. Oui, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont sûrement un artiste qui fait le dessin, et puis derrière, il y a le modeleur qui doit le remettre en 3D, et puis le mettre à la taille qui a été définie, donc de template qui se sont dit au début pour que ça corresponde aux hommes et aux femmes. Et puis là, ce qu'on voyait sur la vidéo, c'est les différentes zones, les différentes couleurs que tu voyais sur la vidéo, c'était en fait les différentes zones de texture. Donc il y a aussi toutes les textures à faire, les différentes normal maps qui font qu'il y a un effet de profondeur à la texture. Donc il y a un travail de dingue derrière, malgré pour un truc qui sera tout petit finalement dans l'univers de Star Citizen. Et puis on avait aussi eu des images, des concepts de casques pour les subscribers avec des hologrammes qui allaient se mettre devant le visage, des hologrammes de tête de mort, ce genre de choses. Donc ça va évoluer assez bien les casques, j'espère. Ouais. En tout cas, ça a l'air prometteur. Voilà les autres. Je ne sais pas si Trent, tu veux dire quelque chose sur les casques ou Spectred? Bah pour ma part. Vas-y. Non, vas-y. Pour ma part, ils me font énormément penser aux casques T20 en fait. Ils sont très profilés vers l'avant et plutôt assez fins. Et ils me font vraiment penser aux casques T20 en fait. Là, je suis totalement d'accord. Ouais. William, tu arrêtes avec les messages maintenant. C'est un petit côté comme ça. Voilà, désolé. je m'étais déconnecté 2-3 secondes. J'étais parti choper William. Donc voilà, j'ai été chopé. Non, j'ai pas eu le temps. Donc, il s'est enfoui. Voilà, il s'est enfoui. Je crois qu'il est là maintenant, il est dans le fond du jardin. Donc voilà, et je crois qu'à la fin de la partie sur les wearables, ils nous ont mis quand même toute la collection. Attendez, je vais voir si je peux retourner les images. Voilà, je les réaffiche. Et en fait, ils nous montraient toute une série de possibilités que ça allait donner. Mais bon, voilà, c'est les casques à pointe très spartiates. Ça me fait penser aux Légions. Voilà, ou Power Rangers, tout à fait. Bonjour à tous les derniers qui sont arrivés. Salut Monte Cristo, oui, les Power Rangers. Et salut à Colonel Maverick, bienvenue à toi. Voilà, nous sommes en train d'aborder l'actu. Oui. Vas-y, au moins, on aura encore des casques de différents pour avoir chaque groupe, avoir son casque à lui. Ce sera plus juste une différence de couleur, mais carrément une différence de style. Ça va vraiment permettre aux factions d'avoir vraiment des styles différents. Est-ce qu'on pourra incorporer le logo des corpos sur le casque? Ça, je pense que ce sera l'ultime customisation à 1000 euros.
Ouais, là, enfin, ce serait pas mal. Déjà, si on pouvait le faire sur les vaisseaux, ce serait déjà pas mal. Parce que je suis sûr qu'il y en a, il y en a qui ont des idées pour aller mettre des flammes sur un Hornet ou autre. Mais, mais derrière, l'infrastructure informatique qu'il faudrait pour qu'ils puissent gérer des textures étrangères au jeu, je pense que ça va complexifier la chose. Oui, tout à fait. Pas si ça entre dans le concept. C'est par exemple un concessionnaire qui s'amuse justement à dessiner avec un outil justement. Il faudrait le faire par un professionnel et ce serait une interaction possible par exemple avec un professionnel dans le jeu, tu vois. Ça coûterait de la thune le faire faire justement. Ici, petite remarque de Matafaskuns. Donc niveau style et couleurs, c'est cool d'avoir de la diversité. Après, oui, il existe des emblèmes qu'on pourrait mettre sur son vaisseau ou armure. Bah, disons qu'ils ont parlé lors de la customisation que d'abord, il y aura de la customisation tout à fait officielle via l'outil qu'ils ont implémenté sur le site RSI et qu'ensuite, viendrait probablement de la customisation vers plutôt des receleurs indépendants dans l'univers, mais qui seraient, je pense encore, je vais dire ici, des PNJ ou autres. De là, après, à ce qu'on puisse tout faire, Ce serait un rêve évidemment, mais je ne sais pas si c'est prévu ou si vous en avez déjà entendu parler, les gars. J'ai des gros doutes, mais par contre, ce qu'ils avaient dit, c'est qu'après la release du jeu, donc encore dans un bon moment, il y aura des outils pour modder le jeu, donc que la communauté puisse modder le jeu. Donc là, il y aura peut-être un moyen, en effet, d'altérer certaines choses pour ajouter des textures homemade, comme des logos de Corporation. Coming soon. Alors, 7h22, donc avec l'introduction et l'actu, je vais vite passer à ce moment-là aux dernières informations, et je crois qu'il y avait quand même pas mal à dire au niveau de l'actu de cette semaine. C'était le Pillar Talk. Ouais. Je l'ai bien dit, mon cher Nico. C'est mieux. Voilà. C'est mieux. Donc, c'est vrai qu'il y a deux L. Hein, donc, alors, donc ici, au niveau du Pillar Talk, là, ils ont abordé beaucoup de sujets. Donc là, je vais essayer de mettre le volume pas trop fort pour que ce ne soit pas au-dessus de nous. Et donc, c'est Eric Kieron-Davis qui avait l'air d'être un peu aux manœuvres, mais voilà, une présence quand même exceptionnelle de Chris Roberts. Je ne sais pas s'il sera là à chaque fois. On verra bien. Techniquement, mais, il me semble que oui. Oui. Alors, les sujets, et alors, ça va partir un peu dans tous les sens. Les sujets, je les ai notés. Hein, donc, j'ai repris tous les sujets qui avaient été notés. Donc, c'est le Low System 1. Là, on va en parler. Ils ont parlé de quelques chips ou véhicules. Je vais chips et véhicules. Je vais les remettre là ici lors de la vidéo. Ils ont parlé du FOIP, du VOIP. Il y a eu le Banu Defender. Il y a eu le 890 Jump. Le véhicule loadout persistance. Là, il faudra m'aider à comprendre exactement ce qu'ils ont voulu dire. Et alors, ils ont parlé un petit peu de l'ECS et le server meshing. Mais ça, Nekové m'a dit qu'il en touchait un bout. Donc, le Low System 1, les gars, je ne sais pas si Zeto t'a un peu suivi ou Zoko ou autre. Le Low System 1, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Ce sont les différents accès ou à différentes zones? Bonne question. Parce que là, tu ne sais pas. Parce que pendant qu'ils montrent ici ça, ils ont l'air de montrer des gens qui se fightent. Mais voilà, moi je n'ai pas eu la traduction. Non, mais c'est exactement ce que dit Thunderben sur le chat. C'est en effet, c'est le système de loi. Donc, là, comme il disait dans le live, enfin dans la vidéo, c'était même pas live, il me semble. Ouais. C'est qu'il y avait pour l'instant 19 lois basiques qui vont régir l'univers. Donc, par exemple, de ne pas transporter des objets ou des commodities volées. Et si la police te chope avec ces objets volés, ben, tu peux avoir une amende à payer. Et plus tard. Dans le jeu, tu devras carrément aller en prison. Ah oui, c'est ce qu'ils ont abordé l'autre fois. Alors, donc, il y avait eu des traductions il n'y a pas très longtemps. La différence entre les objets illégaux et les objets illicites. Et donc, voilà, illégaux... mais là, ils allaient quand même plus loin dans le détail avec le nombre de lois et comment ça allait se passer plus tard. Parce que il me semble que, imagine, tu viens avec un vaisseau avec des trucs volés et que tu arrives à leur ville. Oui. Tu es obligé de déclarer ce que tu as dans ton vaisseau, donc tu peux peut-être cacher des items pour dire voilà, c'est des trucs volés, je ne le dis pas. Par contre, quand ils vont stocker ton vaisseau ou quand tu vas passer la barrière de sécurité avec les gardes, ils vont dire attendez, on a découvert quelque chose, pas bien.
En fait, ça sera un peu comme les douanes actuelles. Ils pourront décider de scanner ton vaisseau pour voir si ce que tu déclares. Voilà, je pense que ça va être comme ça. Donc, t'as intérêt à connaître le douanier, quoi. T'as intérêt à être blanc avec pas de barbe ou être humain. Option de communication. Alors, voulez-vous payer le douanier 250 ici? Nous avons une question de Matafa qui demande si les corpos pourront créer elles-mêmes le système de loi. Disons que, je pense pas, non. Voilà, ou en tout cas pas dans un premier temps, mais il est clair que si à un moment donné on a le droit de s'accaparer un système, on devrait pouvoir à ce moment-là régler certaines choses, mais c'est très prématuré. Je pense que ce sera plus du question de RP, donc si tu, si tu achètes une zone qui n'est pas surveillée par l'UE, donc par la loi officielle de l'univers, bah là tu pourras faire tes propres lois, mais ce ne sera pas un truc automatique, il faudra que tu sois sur place pour dire « attendez, vous avez fait quelque chose que je n'aime pas, et je vous arrête ». Non, mais que, par exemple, si tu as des PNJ qui sont chargés de la sécurité d'une zone et qui voient qu'il y a une action qui est illégale vis-à-vis d'un endroit, par exemple, on sait qu'on pouvait acheter des terrains, à un moment on pouvait acheter des parcelles, je sais plus combien, là. Bah, théoriquement, sur ces terrains-là, pourvu que tu aies des mecs qui s'occupent de la sécurité ou dans un bar, ou voilà, en théorie, ils peuvent prendre le mec et le GRT ou au contraire appliquer leur propre loi, quoi. Ouais, mais attention, parce que là, tu oublies un détail, les parcelles vendues, elles n'étaient présentes que sur des territoires UE. Donc la loi de l'UE est en vigueur, donc tu ne peux pas imposer tes propres lois. Oui, mais de toute manière, si tu peux le faire maintenant sur des territoires de l'UE, ça veut donc dire que tu pourras quand même racheter des territoires in-game à d'autres. On ne sait pas si on peut appliquer notre propre loi sur des territoires de l'UE à l'heure actuelle. Tu pars sur une certitude qu'on n'a pas encore. Non, non, tu as mal compris ce que je veux dire. Ce que je sous-entends, c'est que si tu peux déjà acheter des terrains qui sont dans l'UE, ça veut donc dire que tu pourras quand même acheter des terrains qui sont pas forcément dans l'UE. Bah, s'ils sont pas dans l'UE, peut-être que tu pourras aller sur le terrain sans les acheter, carrément, C'est ça, c'est... Oui, mais est-ce que tu pourras les revendiquer? C'est une question, genre te dire, bah là, la parsec, ça va être mon champ, si tu veux. Bah, je pense que c'est le jour où on voit du plus fort. Voilà. Ou l'acheter à un propriétaire, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Dans tous les cas, si IG sera aux commandes, ça vous pouvez en être sûr. On pourra rien avoir qui n'ait pas été loué, acheté ou volé, ça c'est sûr. Donc dans tous les cas, parce qu'on ne pourra pas s'approprier nous-mêmes gratuitement une parcelle de l'univers, ça c'est pas possible. Enfin, je vois pas, si ID doit conserver le processus économique de bout en bout. Hein. Ça, c'est... Il n'y a qu'à voir Jumptown actuellement, il n'y a pas de loi, il n'y a rien du tout, et c'est celui qui gère la zone à la défendre, à l'attaquer, qui possède la zone en quelque sorte. Ouais. Donc... Ouais. Il y aura peut-être quand même des zones comme ça qui seront en mode hors la loi et il faudra gérer toute la défense tout seul. Il me semble que tu avais la RIFR qui voulait faire une chose comme ça, c'est-à-dire faire en sorte de pactiser avec chacune des communautés, de faire en sorte d'établir un endroit, enfin, ils avaient plutôt l'intention de le prendre par la force et de décréter que c'est un endroit qui appartient à la RIFR et que du coup c'est un endroit où toutes les corporations peuvent venir discuter gentiment. Ça fait beaucoup penser à l'île dans Pirates des Caraïbes. Oui, bah oui, oui. Mais Tortuga. Ce qui pourrait être... Tortuga. Non, ouais. non, je pense que ça doit être dans la fontaine de Jouvence. Où oui, ils oui, tout, c'est... Les Anglais, c'est les Espagnols, les Pirates. Ouais, avec tous les bateaux. Je sais plus comment ça s'appelle cet endroit-là. Wow, la fontaine de Jouvence. Non, ça c'est ça. Ouais. Enfin, ça c'est le film, mais l'île en question. Film, ouais. Non, mais ce qui pourrait être sympa pour ceux qui ont vu John Wick, ce serait que une corpo ou quelqu'un fasse un peu, tu sais, genre le continental. Oh là là, l'hôtel. Merci à Tiwa pour ton follow. Bienvenue. Bah, il faudrait un 890 jump dédié à un hôtel pacifique. Il faut payer en or pour y entrer. Ah oui, avec les pièces là. Et tu n'as pas le droit de tuer qui que ce soit à l'intérieur, sinon tu fais bannir. Écoute. Voire même éjecté du vaisseau. Alors j'en profite pour dire bienvenue à Atome 306e, à Wolfgang Gaiden, et il y a Lisa Lys qui vient d'arriver. Et donc voilà, bienvenue à tous pour les derniers arrivés. Alors ici peut-être, pour avancer un petit peu, voir un petit peu si on a eu des informations donc, au niveau des vaisseaux, mais ils n'ont pas parlé grand-chose. J'avais vu, il faut juste retomber sur le bon moment, ils ont reparlé un petit peu du rework effectivement. Du Vanguard, ils n'ont pas dit grand chose à ce niveau-là. Dans les autres sujets qu'ils avaient abordés, c'était le FOIP et Voice over IP. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des infos par rapport à ce qu'ils ont entendu dans le Pilar. Une avancée à ce niveau. J'ai pas écouté cette partie-là. Par contre, moi, j'ai une question pour le chat et pour les gens qui sont avec nous. Combien de fois sur vos heures de jeu vous avez utilisé le FOIP et le VOIP? Zéro. D'accord, ouais.
Bah, le voice over IP, tout le monde l'a, enfin, en tout cas beaucoup l'ont essayé au moins une fois. Mais le face over IP. Mais le voice over IP, normalement, c'est censé fonctionner correctement, mais. Ouais, j'aime bien ton normalement. Bien, voilà, c'est ça. Mais bien le gros normalement devant, quand même. Donc voilà. Mais le problème du système, c'est que il est pas facile d'accès. Quand tu l'actives, tu sais pas quel micro il prend en charge. Oui. C'est magique, ça marche ou ça marche pas. Oui. Et puis ben le face over IP, ben le problème c'est que t'as beau l'activer, tu sais pas si les gens en face le voient. Mm. C'est un coup de chance ou. Alors il y a Fox Dark Spirit qui demande c'est quoi. Donc le voice over IP, c'est le fait de pouvoir passer en vocal dans le jeu. Et alors si je me souviens bien, en tout cas pour pas l'avoir testé énormément, c'est vraiment avec des personnes proches dans l'univers, ouais. Par rapport à ça, ça reste ouais. Que le vocal. Et le face over IP, il fallait installer un petit programme annexe qui, via votre webcam, filme vos yeux, votre nez, votre bouche et implémente, comme si on avait du motion capture, toute cette gestuelle sur le visage de votre personnage. Est-ce que j'ai bien résumé, Neko ? Presque. Vas-y, complète. Tu n'as pas de logiciel à installer, c'est dans le jeu directement. Il faut juste aller faire Escape, aller dans les dernières options de communication et c'est juste un on-off. Et le truc, c'est que ça va prendre la webcam par défaut et ça va, comme tu dis, calibrer ton visage à celui du visage de ton personnage. Donc, si tu souris, supposé sourire, etc. Sauf que, suivant la qualité de ta webcam, ça marche pas très bien. Le frame rate de ta webcam qui en dépend aussi. Et il faut évidemment que la personne en face, dans le jeu, ait activé aussi l'option. Sinon, il reçoit pas les informations et donc il verra pas la différence. Oui, tout à fait. Bienvenue, Nathaniel. Bienvenue et Atiwa, à nouveau. Mais je veux dire, la VOIP, ça fait quand même. Enfin, on l'avait quand même dans Arma 3, donc c'est pas une technologie inconnue. Enfin. Non, mais voilà, sur une alpha, j'imagine que les serveurs, ils sont pas en mode priorité VOIP. Oui, bah oui. Il y a Discord à côté, quoi. Voilà, t'as Discord à côté. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'intérêt vraiment à aller en. C'est pas une priorité absolue, c'est ça. Le gros problème qu'il y a par rapport à tout ça, c'est que pour l'instant. Toutes les personnes qui jouent à Star Citizen jouent en communauté interne. Elles jouent pas avec les autres communautés via le jeu. Donc la VOIP pour l'instant ne sert absolument à rien. Elle n'est pas plus développée parce qu'ils savent très bien qu'elle ne sert à rien pour l'instant non plus. Oui, puisqu'on passe par Discord ou par TeamSpeak. Donc, voilà. Alors, voilà. Sujet suivant, sinon on va prendre beaucoup de retard. Donc ils ont parlé du Banu Defender. À part peut-être quelques images. Merci Sanavella. Quelques images surtout. Oui. Dans le chat que la VOIP a été désactivée en 3.5.1. Ah je sais pas, possible. Impossible. Hein. C'est possible, puisqu'on l'a pas testé, donc on peut pas. Enfin en tout cas moi je l'ai pas testé, donc on peut pas le prouver. Ici concernant pour reprendre sur le Banu, ils ont montré des images et ici c'est pas une, je sais pas si vous voyez bien, c'est pas une photo qui bouge, c'est vraiment ici une cam dans le chip. Je sais pas si vous voyez, ici. On voit bien ici l'effet de 3D. Donc là, c'est réellement à l'intérieur d'un vaisseau. On n'est plus sur du JPEG Dynamics ici. On en reparlera tout à l'heure. Private joke avec les chroniqueurs. Et donc voilà, le Banu, il arrive en 3.7 malheureusement. 3.7. Malheureusement, oui, tu ne l'aimes pas. Non, je dis juste qu'ils l'ont retardé déjà deux fois. Hein. Il était prévu en 3.5, puis 3.6, mais maintenant 3.7. Hein. Ah donc, oui. Ils prennent leur doux temps à le faire. C'est qui est censé poser les bases de toute la, on va dire, de tout le design des vaisseaux Banu. Donc oui. C'est pour ça qu'il retarde et retarde. Moi je ne sais pas si le designer a changé chez CIG, qui est responsable. C'est ça, en plus. Je sais pas si tu as vu la roadmap que Deus a publiée, mais il met les pourcentages de progression sur les items. Et là, pour le Banu, il a descendu parce qu'ils ont augmenté le nombre de tâches, en fait. Donc, je sais pas si c'est... Moi, en voyant ça, je me dis, peut-être Chris Roberts qui, derrière, a vu le truc et là, s'est dit, non, ça va pas, tu recommences. Il y a des chances. On connaît le caractère de Chris Roberts aussi, ouais. Chris Production, quoi. Alors, dans le pillard, ils en ont profité pour nous donner une info. Alors, une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que le 890 Jump ne sortira pas en même temps que la mise à jour 3.6. Par contre, les nouvelles images qu'on a reçues, moi, m'ont un peu scotché. Parce que là, il y avait vraiment une très grosse différence avec ce qu'on avait pu voir jusqu'à maintenant. J'ai d'ailleurs quelqu'un qui a fait une image que je pourrais d'ailleurs afficher. Parce que ça m'a assez bien scotché, je vais aller vous la chercher. Je trouve que s'il y a une grosse différence maintenant
avec vraiment le concept d'origine. Oui. Pour ne pas faire de mauvais jeu de mots non plus. Bah non, ce n'est pas un mauvais changement, je trouve. Non, non, non. Ici, c'est bien. C'est vrai que la surface un peu béante, voilà, je vais la retrouver ici. Donc voilà, ici, je ne sais pas si vous voyez. Donc attendez, je vais juste un petit peu redimensionner. Voilà, ça, c'était le 890 de départ, en bas à droite. Il devait faire 123 mètres, si je ne m'abuse. Et nous avons ici vraiment les toutes dernières images du concept tel qu'on a pu l'avoir ici. Donc voilà, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez donner vos avis dans le chat. Moi, je trouve que c'est très réussi. Y en a qui déplorent un petit peu la disparition du petit aileron à l'arrière. Mais bon, voilà, pas de quoi fouetter un chat. Par contre, le train d'atterrissage avant, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai posté une petite vidéo avec... on voit bien les images avec les humains à côté du 890, mais c'est tout bonnement... c'est énorme. C'est énorme, franchement, c'est... Faut bien ça pour stocker une piscine quand même. Hein. C'est gros, c'est gros. C'est du gros. Franchement, c'est du gros. Voilà, pour c'est ceux qui n'ont... Bah, oui. La piscine, le sauna, le bar, le restaurant... Il y a des chambres... Mais qui ont une piscine, les petits-enfants... Pour ceux qui n'ont pas vu, je remets la vidéo là, et c'est la vidéo avec les dernières images. T'as un hangar sur le toit aussi, hein. t'as une partie du toit qui s'ouvre pour laisser entrer un chasseur. En fait, t'as un hangar haut et t'as un hangar bas. Le hangar bas, ce sera pour effectivement le fret, et t'as le hangar haut qui pourrait apparemment avoir au moins deux... En tout cas, la place pour deux petits vaisseaux, 2x85X, qu'on nous avait même montré sur la brochure. Ouais. Voilà, alors après le 890, le véhicule loadout persistance, donc c'est le fait que le véhicule, enfin quand ils disent véhicule, c'est aussi les vaisseaux, hein. Il reste dans l'univers quand on part, c'est ça, ou quand on se déconnecte. C'est même plus que ça, parce que maintenant quand tu vas payer ton assurance, quand tu vas faire reclaim ton vaisseau, ce que tu auras mis en dernier va rester. Donc avant, quand on reclaim, on avait l'état de base, hein, tu perdais tes armes, tu perdais toutes tes améliorations. Là, ce qu'ils ont dit, c'est que ben, tu vas garder tout parce que ben, ton prix d'assurance va s'adapter au loadout que tu avais mis. Donc tu paieras un peu plus, tu auras peut-être plus de temps, mais... Depuis la 351, c'est actif. Voilà. Parce que moi, j'ai amélioré mon vaisseau et je le récupère à chaque fois avec toutes ces améliorations. Attends, t'imagines, tu fais une customisation qui coûte de l'argent, tu le réclames et il n'y a plus la customisation, ça aurait été un petit peu dégueulasse. Hein. Alors, personnellement, elle m'a rien coûté la personnalisation parce que j'ai personnalisé avec les items des vaisseaux Origin qu'on avait en test pendant la scène. Ils sont toujours bien présents. Joué. Nickel. L'escroc. Et alors, le tout dernier sujet du Pillar Talk, pardon, je vais y arriver, c'était l'OCS et le Server Meshing. Donc là, Nekové avait pas mal d'infos là-dessus. En tout cas, ça avait en touché un mot. Moi, j'aime bien en parler parce que c'est quand même une technologie qui va faire que le jeu va vraiment évoluer et pourra vraiment grandir. Parce que tant qu'ils ne l'ont pas, ben, les serveurs sont quand même limités en système, en hardware. Donc ça, une fois qu'on l'aura, ils vont pouvoir déjà pour l'OCS avoir plus d'objets. Mais le server meshing, on n'a pas beaucoup de jeux qui ont de server meshing actuellement. Ou alors, c'est des serveurs qui ont une zone spécifique. Par exemple, World of Warcraft, si je ne me trompe pas, bah, ils ont un serveur par zone, par donjon, etc. Alors que là, l'idée de Star Citizen, c'est d'avoir des serveurs dynamiques où ils ne chargeront des zones que s'il y a besoin. Donc même, il n'y aura pas de serveurs qui seront dédiés à des zones. Donc ça va être vraiment quelque chose de dynamique à 100%, et ça, il y a très peu de jeux qui, il me semble, voire même aucun jeu qui ont un truc pareil. Après, comme ils disent, ça va prendre énormément de temps à mettre en place. Au début, ça va être des zones définies, et puis ça va vraiment évoluer. En fait, pour pousser un petit peu plus ton explication vite fait, en fait, ça fonctionne, il faut voir comme une boîte dans une boîte dans une boîte dans une boîte. Et le serveur a la capacité de créer une boîte dans une boîte dans une boîte. En fait, vous serez sur un serveur principal, et en fonction de la zone où vous allez bouger, le serveur lui créera un serveur pour vous, pour votre zone, où d'autres personnes peuvent rentrer dans cette boîte-là. Mais plus vous vous déplacez à des endroits, plus le serveur créera des zones et il tuera les serveurs qui sont derrière vous, qui n'ont pas besoin en gardant les données. En fait, c'est ça, c'est un peu comme une poupée russe. Il a la capacité de partir d'un point A pour créer un point B, C, D, E, F, et c'est tout ça en gérant le truc de façon dynamique. Je sais pas si c'est plus clair. Mais... Non, c'est parfait. Voilà, c'est exactement ça, Serverception. C'est ce que j'ai dans les commentaires. C'est ça. Mais en fait, c'est ça qu'il faut le voir sur le principe que
vous pouvez avoir une instance pour vous tout seul si vous êtes paumé à 25 parsecs de je sais pas quel truc à vous, mais voilà, vous serez tout seul. Il n'y aura personne sur votre serveur. Dans ce cas, si l'instance est vraiment pour une seule personne, il va peut-être, ils vont peut-être faire en sorte que le serveur puisse prendre en charge plusieurs zones à la fois. Alors, sinon, ça va être une perte colossale de... Non, mais il faut pas le voir comme ça. En fait, quand je parle de serveur, c'est un serveur virtuel. C'est pas le serveur physique, en fait, qui gère. Le serveur physique, en fait, il sera en capacité de gérer beaucoup plus de boîtes, en fait. Oui. Voilà, ouais. Si c'est comme quand tu loues des serveurs... Tu auras une machine virtuelle dessus. Où ils en mettent plusieurs sur une seule unité, en fait. Ce qui leur fait réduire les coûts. Ouais, mais alors du coup, il faut qu'ils puissent augmenter et diminuer la puissance de cette machine virtuelle suivant la quantité de personnes sur place aussi. Non, pas forcément. Bah, pas besoin, il y a la VO, enfin il y a l'objet container streaming qui prend ça, tu vois, qui va s'occuper de ça. Vu que tu auras besoin de charger que ce que le joueur verra, tu t'en fous du reste. Après, ils avaient quand même dit que on n'aura jamais une bataille avec des milliers de joueurs en même temps parce qu'un serveur sera quand même limité et du coup, pour le moment. Suivant la distance, tu auras quand même un moment où la distance te fera plus rien voir. De toute façon, tu as une limite d'affichage pour un joueur. Alors, du coup, je dis oui et non, parce que en fait, le système du server meshing sera pas magique, hein, ça sera pas un truc de fou non plus. Mais vu qu'en fait, tu peux gérer, je prends par exemple l'exemple de la bataille de Pitchfork. C'est le gros problème actuellement de Star Citizen. C'est que, en fait, la bataille de Pitchfork, va falloir la voir d'une façon où vous serez plusieurs à un endroit, mais suffisamment loin pour avoir plusieurs serveurs. Ouais. Et en fait, chaque serveur gérera la partie qu'il doit gérer lui-même en créant des petites boîtes les unes derrière les autres pour gérer les distances qui sont par rapport à ça. Et vous pourrez passer d'un point A à un point B, sachant que le A, ça va être le serveur 1 et le B, le serveur 2, qui gère une autre partie de la bataille. Et ils communiqueront les uns entre les autres. Ça va demander une certaine infrastructure. C'est pour ça aussi qu'ils ont mis le TS serveur qui va pour moi permettre de déléguer certaines choses par rapport à ça. Mais ça peut être, ce sera possible de faire des grosses batailles, mais dans un espace suffisamment grand. Dans un espace restreint, ça sera très compliqué. Mais dans un espace suffisamment grand, s'il y a un petit peu d'organisation à la base et un petit peu de choses créées à la base, ce sera tout à fait possible. Ça va surtout être profitable à ceux qui vont vouloir récupérer des carcasses. Hein. Oui, après oui, mais oui, bah oui. Sur le principe, il faut garder espoir que si on le fait d'une certaine façon, ce sera faisable. On pourra pas organiser une bataille en mode random, 500 vaisseaux contre 500 vaisseaux sur un endroit, machin. Si Eve Online réussit à le faire, qu'est-ce qui fait que Star Citizen ne le peut pas en fait? Eve Online réussit à le faire parce que Eve Online prépare en fait ses serveurs à l'avance. Et prépare la chose à l'avance. Là, je te parle du fait que ça arrive comme ça d'un coup dans l'univers où t'as une guerre diplomatique qui vient de se faire d'un coup et tout le monde se donne rendez-vous à l'endroit, voilà. Oui, enfin, je veux dire, les gens en entendront parler. Hein. Quand tu sais que ça va se taper, t'es au courant, quoi. Oui, je suis bien d'accord. Mais c'est pas dans Evan, enfin dans ce que tu disais avant, je sais plus quel jeu machin. Ce qu'ils font eux derrière, Evanline, voilà, c'est qu'ils créent la chose à l'avance. C'est-à-dire que toute l'infrastructure serveur physique est déjà créée à l'avance et peut cette chose à l'avance. Bon les amis, c'est très intéressant et à mon avis on pourrait en parler beaucoup, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a quand même encore jusqu'à trois sujets quand même assez importants, et donc voilà, bonjour à Commandorel qui est arrivé et que je n'ai pas encore eu l'occasion de dire bonjour, et je voudrais donc accueillir... Vas-y Zeto. Sur une dernière phrase, vas-y, faire plaisir. C'est que il faut savoir aussi que les gros vaisseaux capitaux seront une instance serveur à elle-même aussi. Donc vous pourrez gérer des serveurs, enfin des vaisseaux capitaux en indépendance aussi à côté. Ce qui va alléger vraiment énormément le tout. Ah mais donc ça veut donc dire que tu pourras avoir une bonne grosse quantité de vaisseaux capitaux dès lors que c'est des instances à part entière. T'as plus besoin de les considérer comme des vaisseaux à l'intérieur d'une instance du coup. C'est ça. C'est une boîte à l'intérieur d'une autre boîte. Donc là, à la limite, les chasseurs seront comptés, mais pas les vaisseaux capitaux. C'est ça. Et il y aura juste le fait que les serveurs communiquent les uns entre les autres pour retranscrire ce qui va se passer. Donc si t'as des bastons, t'auras juste des bastons avec une quarantaine de vaisseaux capitaux quoi. C'est envisageable, mais je ne m'avancerai pas trop là-dessus. Mais en fait, j'essayais juste de vous exposer un regard un peu sur le principe du truc. Ça va être chaud. C'est bon.
Alors, je disais, je voudrais accueillir pour sa toute première fois avec nous, monsieur, parce que c'est un grand monsieur Gremlins aujourd'hui. Pourquoi je le dis ? Parce que Gremlins, donc bonjour Gremlins, même si on l'a entendu tout à l'heure, déjà plusieurs fois. Mais Gremlins, c'est vraiment, je vais dire, les personnes qui suivent en tout cas l'émission depuis le tout premier épisode, avant même qu'on ne sache que ce serait le premier épisode. On avait lancé une émission un peu test. Et donc voilà, et je remercie Gremlins et sa moitié Miss Gremlins, comme ça ils ont fait simple, hein, ils ont fait Gremlins et Miss Gremlins, comme ça on peut pas se tromper. Et voilà, je les remercie de suivre l'émission et de suivre nos sujets depuis la toute première heure. Alors, pourquoi est-ce que Gremlins est là aujourd'hui ? Il est là, pourquoi ? Parce qu'en fait, suite à une description de personnage. J'ai un petit décalage, moi. Je sais pas pourquoi. Je m'entends deux fois. Je sais pas d'où ça vient. Ça vient de Gremlins. Ouais, ça doit venir. Voilà. Oui, c'est le Twitch. Ouais. J'ai lu, si vous voulez, une histoire que Gremlins a écrite sur base d'un lore et d'une histoire fort liée au Banu. Et voilà, ça m'a vraiment. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment bien comme démarrage d'histoire, ça m'a pitché en tout cas. Et voilà, j'ai eu envie qu'il vienne partager un petit peu sa connaissance du lore Banu avec nous et de son histoire. Alors, je vais lancer son diapo qu'il a bien eu l'occasion et la gentillesse de nous préparer. Donc voilà, c'est lancé. Je ne touche plus à rien parce que j'avais des petits soucis d'écran au niveau de ce PowerPoint. Et donc voilà Gremlins, dis-nous en plus et voilà, parle-nous un peu Banu, parce que jusqu'à maintenant on avait parlé que Xian grâce à Reverso de Star Citizen Civilization, mais Banu, on n'a pas encore parlé des Banu et donc on ne savait pas trop bien si le lore était tendu. Donc voilà. Moi en fait ouais, je me suis penché sur la civilisation Banu comme tu disais quand dans la KEC on nous a demandé d'écrire notre fiche RP. Et du coup, j'ai cherché un petit peu dans le lore, et c'est vrai que je suis, on va dire un peu, on va pas dire tombé amoureux, mais presque de la civilisation Banu. Donc c'est la première civilisation rencontrée par l'homme. Et je voulais quelque chose qui sorte de l'ordinaire, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas me faire une histoire d'un humain qui a pas grandi au sein de l'UE, mais qui a été élevé par les Banu. Car je ne sais pas si tout le monde le sait, mais c'est un peuple qui pratique l'esclavage encore. Donc de Banu eux-mêmes, bien souvent parce qu'ils ont des dettes d'argent et qu'ils ne peuvent pas rembourser, donc ils servent d'esclaves, mais aussi d'autres espèces. Donc du coup, j'ai inscrit mon histoire de mon personnage dans ce cadre-là, en tant qu'enfant d'esclaves Banu, qui a été élevé comme un Banu. Donc il faut savoir que les Banu, ils ont... une architecture familiale et sociale complètement différente des hommes. C'est-à-dire que les jeunes Banu sont vendus dès leur plus jeune âge à des soulis, qu'on pourrait qualifier de guildes, pour être repérés et qualifiés selon leurs qualités, leurs défauts, pour les orienter vers les soulis adaptés, les plus adaptés à leurs capacités. Et donc, les castes tôt dans Warhammer. Ouais, tout à fait, ouais, c'est ça. Et donc, il y a des soulis complètement variés pour toute chose. C'est un peuple qui est très spécialisé. Et donc, ils aiment se spécialiser dans un domaine et ils excellent dans ce domaine-là. Il y a des soulis complètement dédiés à la fabrication de vaisseaux, au commerce, à la défense, parce qu'ils ont beau être pacifiques en apparence. C'est un peuple qui sait aussi se battre, à l'image du Banu Defender, qui est un très bon vaisseau de combat. Le Mercantman aussi, hein. Le Mercantman aussi, qui est bien armé, voilà, tout à fait. Et ça me fait penser à un film américain, là, qui est une trilogie, et j'arrive pas à retomber, justement, où il y a des jeunes, là, et il y a cinq grandes castes, donc c'est vraiment, je suppose, on est plusieurs centaines d'années dans le futur. Et vous voyez pas de quoi je parle. Et il y a les agriculteurs, il y a... Ah Allez, c'est un film américain avec une jeune fille. Et il y a cinq castes très particulières. Divergentes, voilà. Je sais pas si Gremlins tu as vu, est-ce qu'au niveau Banu, ils s'organisent un peu comme ça aussi ? Pas tellement. Encore plus que ça, je dirais, parce que Divergentes, il y a cinq castes. Chez les Banu, il y a encore plus de castes. Puisqu'il y a autant de soulis. Pour chaque tâche possible et imaginable, en fait. Ah oui.
En fait, voilà, c'est ça, j'allais dire. Je pense que ça doit s'organiser exactement comme les métiers. Tu vas avoir la soulie des charpentiers, la soulie des forgerons. Enfin, là, c'est l'époque médiévale, mais on retranscrit ça à l'époque moderne de Star Citizen. C'est exactement ça. Et le personnage Gremlins que tu m'avais fait lire, c'est un humain, c'est pas Banu, hein? Non, c'est un humain. Ah, c'est un humain, oui. Né de parents esclave des Banous, donc qui est confié dès sa naissance un souli d'esclavage pour y être entre guillemets un peu formaté pour devenir une bonne main d'œuvre bon marché. Oula. Voilà, parce que les esclaves c'est des esclaves, hein, ils sont un peu payés. Hein. Le but c'est de pouvoir racheter sa liberté par le travail, mais bon c'est très long. Et donc moi j'ai décidé que mon personnage avait eu la chance. Il était suivi par Kassa, donc Kassa c'est le patron de la chance chez les Banous. Ils sont un peu polythéistes, il y a plusieurs divinités. Deux principales, Kassa le patron de la chance et Ternin le grand voyageur, parce que c'est un peuple qui voyage énormément, notamment pour le commerce. Mon personnage s'est retrouvé chanceux d'être accueilli par un Esso Souli, donc c'est le chef de guilde, c'est le chef du Souli. Qui était plutôt bienveillant envers lui et qui l'a un peu pris sous son aile dès son plus jeune âge. Et est-ce que tu vas écrire, je vais dire, une histoire plus complète? Est-ce que tu auras envie de créer vraiment un univers complet autour de ce personnage qui t'a à écrire quasiment une nouvelle ou quelque chose? Parce que moi j'ai trouvé très captivant déjà je vais dire, le petit résumé que tu m'as envoyé. Franchement, ça me donnerait envie, moi, de lire plus sur l'histoire de ce personnage-là. Alors, je sais pas, j'ai pas trop prévu. le résumé que j'ai écrit, je l'ai écrit, entre guillemets, depuis la naissance de mon personnage jusqu'à son entrée dans sa corporation, qui est la KEC. En y mettant même sa rencontre avec Miss Gremlins. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas aller plus loin dans... On veut le best-seller. On veut le best-seller. Alors les amis, est-ce que vous avez une question pour Gremlin justement sur les Banous? Oui, pour moi. Plus sur son personnage que sur les Banous, mais ouais. Ouais, bah vas-y, peu importe. Mais du coup, avec le personnage que t'as, quel est le ressenti de ton personnage vis-à-vis du coup des Banous et de l'UE en fait? Parce que t'as quand même été esclave, et je veux dire, esclave, c'est pas cool tous les jours, quoi. Alors, le ressenti de mon personnage vis-à-vis des Banous, il est mitigé, on va dire, parce qu'il a eu la chance de tomber sur un Esso Souli bienveillant qui l'a accueilli une dizaine d'années. Mais il est à la fois un peu plus réticent, on va dire, parce que il y avait beaucoup des Sosoulis qui étaient pas pour les humains, parce qu'ils considèrent notre espèce comme faible et fragile, parce qu'il faut savoir que les Banous sont beaucoup plus résistants que les humains, ils peuvent survivre sur des planètes. On est les plus faibles de la galaxie, donc Beaucoup plus rudes, on va dire, que nous. Ils vont réussir à survivre dans des atmosphères complètement toxiques, alors que nous, sans équipement, on ne tiendrait pas deux secondes. Donc il y avait une certaine rancœur, on va dire, enfin, c'était un peu partagé, mais il y a quand même eu de la chance, il a été bien suivi par Kassa tout au long de sa vie, mon personnage, donc c'est assez mitigé. Et au niveau de l'UE, il a découvert l'UE que tardivement. D'accord. Quand il est parti, en fait, c'est son Esso Souli qui lui a... rendu sa liberté et offert un vaisseau parce qu'à la fin de sa vie, c'était Esso Souli, parce qu'il faut savoir que les Banous ont une espérance de vie relativement courte, chiane, entre 45 et 55 ans, on va dire. Oui, et l'humain se situe plus ou moins au milieu. Hein. Voilà, c'est... ouais. Et les Vandoul, je sais pas du tout. Comment dis-tu? C'est la seule force qu'on a, parce que théoriquement, on est les plus faibles de la galaxie. Ah oui, donc on a encore un peu plus faible, c'est les Banous. On avait une question. Je parle pas de faiblesse de corps, effectivement. On avait une question dans le chat concernant. Je digresse un peu, on est plus sur le lore que sur le personnage. Est-ce qu'il existe des capital ships Banous
Moi, à ma connaissance, pour moi, le plus gros qui existe pour l'instant, c'est le Mercantman, non? Alors, on n'a pas trop de connaissances ouais, de vaisseaux Banu à l'heure actuelle, à part le... On n'en connaît que deux. À part le Defender et le Merchantman, mais je pense qu'au niveau de la taille, on peut qualifier le Merchantman d'un capital ship. Même s'il a une fonction pas du tout militaire, mais plutôt commerciale et de transport. Et bizarrement, et je ne saurais pas redire où, il me semble que j'ai vu l'intérieur moi, d'un Mercantman il n'y a pas très longtemps. Alors j'ai mis pas mal de photos dans le diaporama qui passe, où il y a des photos d'intérieur du Merchantman. Et c'est vrai que c'est assez luxueux, parce que les Banu sont très très fiers et ont des très très bons artisans. Donc ils aiment les choses... Voilà, tout à fait. Donc ici, il est affiché à l'écran, mais il me semblait, oui, ça doit être sur une de tes photos que j'ai vu l'intérieur du Mercantman. Donc ça, c'est vraiment assez poussé comme image. Là, on a le cockpit. Que c'est des images que je ne connaissais pas. Ça, c'est des couloirs à l'intérieur du Mercantman. Et ça, c'est un hall dans le Mercantman. Alors, je vais revenir. Si j'arrive à faire ça, pause. C'est la salle de négoce. Salle de négoce. Voilà. Attends, je vais faire pause. Si j'y arrive. Voilà. Donc là, c'est la. Voilà. Maintenant, on s'affiche la salle avec les commerces, je suppose. Et c'est assez particulier parce que sur un des commerces tout au-dessus. On dirait qu'ils vendent des grosses bestioles vraiment sur le commerce du milieu là. On dirait presque des cocons aliens avec des petits bras. Ça me donne pas envie d'aller acheter quelque chose dans ce magasin là moi, personnellement. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat ou au niveau des chroniqueurs? Dans le chat, ils demandent au niveau de la découverte de cette espèce. Donc effectivement, c'est la première espèce qui a été découverte par l'homme. Et c'était une découverte fortuite en 2438 par un explorateur. Voilà, tout à fait, dans le système d'Avien, par un explorateur nommé Vernon Tarr, qui était à la recherche de nouveaux points de saut et qui est tombé, on va dire, de manière fortuite sur un vaisseau qu'il a attaqué, croyant que c'était un concurrent, mais en fait, c'était un vaisseau Banu. Donc il a immédiatement arrêté son attaque et a contacté la Navy. Qui a pris contact avec le Banu en question, qui était surnommé Jerry. Et 15 jours plus tard, une délégation des Banu est arrivée dans le système d'Avien pour prendre contact, et on a suivi la signature du pacte de commerce et de paix avec le général Sokolovitch, donc en 2438. Bien que je l'avais mis, j'avais fait une des questions du quiz lors du bar Citizen de Liège, sur justement les dates des rencontres des quatre races, mais je me souviens plus maintenant. Banu, c'est la première ou c'est la seconde, je pense, parce que 2400, c'est 2400, tout. Hein. C'est la première civilisation alien qui a été rencontrée par l'humanité. Ah voilà, les autres, c'est plutôt 2500 et 2600, hein, je pense. Bah, deuxième a été les Xian. Après est venu les Tevarin, me semble-t-il, si je ne me trompe pas. Et les Tant que les Tevarin sont arrivés 11 ans avant les Xian à la connaissance humaine. Ok. Donc voilà, Gremlin, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur ton personnage? Non, pas grand-chose. Voilà. Enfin, on a bien fait le tour. Après, je ne sais pas si c'est dans le chat ou si les autres chroniqueurs ont des questions au niveau des Banu. Je ne sais pas. Je sais que c'est un petit peu plutôt le domaine de Trent et de Spectred, mais au niveau de leur univers, au niveau de leur planète, j'allais dire... de naissance, mais on rappelle les noms des planètes, c'est comment encore? Alors, au niveau des systèmes contrôlés par les Banu, il n'y en a pas énormément, il y en a 7, si je ne me trompe pas. Donc, il y a le système Bacchus, le système Guédon, le système Gliz, le système Kintz, d'où j'ai fait l'origine de mon personnage, le système Triz, le système Yulin et le système Ophos, qui est inconnu à l'heure actuelle, on a très très peu de données, mais il est quand même cité. Avec ça, on a à peu près tout le tour complet. En tout cas, parce que Banu, c'est vrai qu'on n'avait pas énormément d'informations. Et je crois que j'ai appris 95% de l'info Banu que j'avais ici juste ce soir. Donc, merci beaucoup, Gremlins. Une dernière question, peut-être. Ton personnage a-t-il déjà pu jouer au... Au Sataball. Sataball. Alors, le Sataball, c'est un sport humain.
C'est un sport humain, voilà, qui est très prisé par les Banu. Il y a d'ailleurs un stade gigantesque de Satabol qui est en orbite de Yulin 2. Et non, je n'ai pas joué au Satabol. C'est un dérivé, c'est une évolution en fait du football. C'est violent. Non. Par contre, les Banu ont une manière assez particulière de considérer le sport, et notamment le Satabol, c'est qu'ils ne supportent pas spécialement une équipe en particulier, mais les deux. Ah. C'est-à-dire qu'eux, c'est l'action qui prime, et donc ils sont à la fois pour l'une équipe et pour l'autre, et c'est donc, ça rend donc des... Et quand ils veulent acheter des t-shirts ou des pulls, ils achètent lesquels alors pour supporter l'équipe? Écoute, je sais pas. Parce que le merchandising, enfin, tu vois, ils ont un vaisseau qui s'appelle Mercantman. Hein, et alors, si le merchandising, ils savent pas ce que c'est, je comprends pas alors. Parce que il faut bien faire rentrer de l'argent. Imagine, mets-toi dans une situation, essaie de penser à une situation Paris OM avec des Banu dans le stade. Ça va être chaud. Ça veut dire qu'il peut. Ça changerait. Ça serait plus calme. Ouais, parce qu'à un moment donné, tu viens avec ta femme, hein, et puis en fait, juste pendant, en cours de jeu, parce que justement l'évolution de la partie change, on commence à se taper dessus parce qu'on n'est pas d'accord. Enfin, ça peut être chaud. Enfin voilà, je voudrais remercier beaucoup Gremlins pour ton intervention et d'avoir accepté l'invitation du streamer du dimanche. Et donc voilà, et tiens-nous au courant en tout cas, et tiens-moi au courant de l'évolution de ton personnage, parce que voilà, si à un moment donné l'histoire devait amener à s'étoffer, et je pense que je ne connais personne en tout cas qui pour l'instant a développé du lore Banu aussi bien que toi, donc on pourrait vite te flaguer notre correspondant Banu pour l'émission. En tout cas voilà, on serait très ravis. Ben, y a pas de problème, si vous voulez un jour plus de détails sur vraiment le lore Banu, je suis disposé. À l'occasion, j'aimerais bien moi en discuter avec toi. Ah ben. C'est qui a posé la question, excuse-moi, parce que je vois pas en même temps. C'est Spectred, je pense. Okay. Tout à fait. Ouais, pas de souci. Ouais. Voilà. Soucis. Alors, sans transition, on va passer au Sunday Stars. Le Sunday Stars, ben, vous commencez à avoir l'habitude. Vous avez voté la semaine dernière entre le système Killian, qui est un petit peu le système pauvre maintenant, et on va expliquer pourquoi, et le système Stanton. Hein, Trent, je crois que tu comprends ce que... On essaye en fait de faire passer le système Killian à vos votes depuis maintenant 4 semaines, et Killian, ben, personne n'en veut, donc je pense qu'on le fera passer en semaine 52, lorsque... voilà, lorsque... Okay, Killian, c'est le système avec que des écoles. Personne n'a envie d'y retourner. Ouais, non, non, là tu te trompes. Il me semble que là tu es en train de parler du système Ferron. Ah oui, merde. Ferron. Alors voilà, donc nous introduisons aujourd'hui le système. Tiens, bizarrement, j'avais remis Sunday Stars avec un petit logo sans Amiral Tren. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui nous recevons Spectre Demons. Qui est un bon ami, une connaissance, enfin je ne sais pas jusqu'où je peux vous caractériser, en tout cas vous connaissez IRL, et d'après ce que j'ai pu comprendre, Spectre Demons a autant, je ne vais pas dire sinon plus, hein, sinon je ne vais pas me fâcher avec Trent, voilà, mais a autant de connaissances sur le lore et surtout sur les systèmes que Trent, et donc Trent ne pouvant pas tout le temps être présent pour des raisons professionnelles, ils alterneront tous les deux en tout cas les différentes émissions, et je pense pouvoir dire que lorsque on n'aura ni l'un des deux, ni l'un ni l'autre, pardon, il n'y aura pas de Thunder Stars lors de l'épisode, donc voilà. Alors, Trent, aujourd'hui, nous parlons du système Stanton. Et nous avons même décidé, vu l'info géographique, vu tout ce que l'on sait, puisque c'est quand même notre système de naissance de Star Citizen, de le faire en deux fois. Et aujourd'hui, nous allons nous cantonner, hein, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, nous allons nous cantonner pour l'instant aux entreprises importantes, et nous allons commencer par l'entreprise Hurston Dynamics et l'entreprise Crusader Industries. Alors, peut-être avant même que Trent ne démarre, avez-vous une question chaude, clash pour Trent et Spectred, puisqu'ils vont faire ça en binôme aujourd'hui, sur ces deux sujets-là, sur Crusader Industries et sur Hurston Dynamics. Que ce soit Neko, Zeto, Zoko, Gremlins, n'hésite pas. Moi, je suis un peu curieux sur, je ne sais pas si vous avez l'explication, mais pourquoi est-ce que ces entreprises se sont mises ici sur Stanton ? Ah. Alors, Spectre, tu veux répondre ou pas ? Comme tu veux. Bah, vas-y, à toi l'honneur. Alors,
On va dire qu'il y a une phrase qui cite très bien, c'est « Sois proche de tes ennemis et... Non, sois proche de tes amis et encore plus proche de tes ennemis. » Le truc, c'est que du coup, c'est des corporations qui sont concurrentes les unes aux autres. Et l'espionnage industriel étant quelque chose de très important, c'est une des raisons. C'est pas la seule, mais c'est une des raisons qui font que ça permet de garder un œil sur son concurrent immédiat, parce que les quatre entreprises qui composent le système sont Microtech, qui est quand même une sommité dans le domaine de tout ce qui est technologie de pointe, modification, par exemple génétique sur des plantes, ce genre de choses. Arcorp, c'est la définition du capitalisme et de la production. Ensuite, tu vas avoir Crusader, plus spécialisé dans l'armement, ce genre de choses. Et Tyrestone, qui est un concurrent direct de Crusader, justement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va commencer par ces deux-là. Et que la semaine prochaine, on parlera de Microtech et de Arcorp. Ok, voilà. Très bien. Alors, par rapport à Hearthstone Dynamics, parce que c'est ça que j'avais un peu relevé. Et voilà, on peut rebondir. Bonjour Starbomber, bienvenue à toi. J'entendais quelqu'un qui avait probablement une question. Ici, je ne sais pas, j'ai cru que quelqu'un allait aborder le sujet. Moi, ce que je voulais vous demander à tous les deux, c'est concernant Hearthstone Dynamics, c'est une entreprise familiale, contrairement à d'autres. Est-ce que c'est le cas? Il n'y en a pas d'autres, en tout cas, à votre connaissance, qui a en tout cas ce label aussi important et ce passé historique au niveau familial? Alors, il n'y en a pas d'autres au niveau d'Hearthstone Dynamics, pour la simple et bonne raison qu'Hearthstone Dynamics, déjà, en termes de taille d'entreprise dans l'UEE, est l'une des plus grandes. D'ailleurs, c'est une des seules à pouvoir se vanter d'avoir une planète à son nom, comme les quatre présentes dans le système Stanton, sur lesquelles on reviendra plus tard. Mais surtout, c'est une affaire de famille dès le début, parce que c'est déjà le premier producteur et fournisseur d'armement de l'Empire. C'est vraiment, ils ont le monopole quasiment complet du marché, si bien qu'il faut savoir qu'il n'y a pas un seul vaisseau, selon eux, qui vole sans un matériel de la licence Hearthstone Dynamics, donc principalement de l'armement, ou du matériel, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Hearthstone, ça est une double licence, elle est officiellement une industrie d'armement, mais avant d'être une industrie d'armement, c'est à la base une industrie minière. Et ça, on l'oublie souvent, et elle n'était pas sur la planète en elle-même, mais sur Terre, à la base, avec ses installations et son siège social, je vais y arriver. Et ça, il faut le prendre en compte, parce que depuis la création et la fondation d'Hearthstone Dynamics, pardon, par Solomon Hearthstone, donc de son nom qui a donné son nom à son entreprise, c'était en 2438, et depuis, il y a eu un certain nombre de membres de sa famille, portant donc tous le nom de famille Hearthstone, qui lui ont succédé jusqu'à aujourd'hui avec Gavin Hearthstone, qui est actuellement le PDG actuel donc d'Hearthstone. Gavin, c'est ça, Gavin Hearthstone, Gavin E. Hearthstone, mais on n'a pas la signification du E. Et au niveau, quel âge est-ce qu'il a et est-ce que c'est le patriarche à ce moment-là de la famille alors? Alors actuellement, c'est effectivement lui, il est le fils de Magda Hearthstone. Magda Hearthstone qui est celle qui a acheté la planète à l'UEE, parce que dans l'histoire de découverte de la planète, en 2904. Qui a été découverte 1904, et bien il a été acheté cette année-ci parce que le gouvernement de l'UEE, ayant trouvé le système après sa découverte réelle, mais on pourra revenir sur l'histoire de la découverte dans une autre question, ça sera plus réparti, on pourra mieux répartir l'information. Et en fait, les entreprises ont toutes été contactées, et le prix d'achat de la planète, tenez-vous bien, et préparez-vous à le noter sur une calculatrice ou sur un clavier, parce que vous n'allez pas en revenir du nombre de zéros, l'achat de Stanton 1, qui a donc été renommé Hearthstone, par la filiale et la famille, ça a coûté 50 trillions d'UEC. 50 trillions. Alors attends, laisse-moi réfléchir parce que milliers, milliards. Donc milliers, voilà. Millions, milliards. Et puis il y a triard, mais c'est peut-être trillion d'abord. Oui, trillion, triard, quadrillion, quadrilliard, quintillion, quintillard. Donc 50 trillions. Regarde le nombre de zéros. C'est assez hallucinant. C'est pour l'achat donc de la planète. Et ça, faut faire très attention. Parce que l'UEE garde le contrôle du système. Le système est sous les lois et l'influence de l'UEE. En revanche, les planètes en elles-mêmes ainsi que leur lune sont privées. Ah oui, donc c'est 50 millions de milliards, si j'ai bien compris là.
Ouais, c'est ça. C'est 50 millions de milliards. Beaucoup. Ça va être compliqué de partir avec son prospecteur et de pouvoir la racheter, je pense, tranquillement. C'est énorme. En fait, l'UE garde le contrôle sur le système Stanton, mais chaque planète, on va dire Hearthstone, Arcor, a son système de sécurité privé aussi. C'est ça. En fait, les planètes sont privatisées, mais l'espace qu'il y a autour, le système en lui-même, n'est pas privatisé. Ok. Par exemple, les entreprises, on sait qu'Hearthstone mine dans la ceinture d'astéroïdes, notamment du système, et c'est pas la seule, mais les entreprises pour miner dans la ceinture d'astéroïdes ont besoin de la licence de l'UEE. Alors que si elles minent sur leur propre sol, ce que fait donc Hearthstone, avec son nombre incalculable d'installations industrielles et minières, là, ils n'ont pas d'autorisation de l'UEE à avoir, puisque la planète leur appartient, tout simplement. Bonne question ici de Miss Gremlin, c'est ce que la société Hearthstone Dynamics est restée ou est cantonnée principalement dans le système Stanton? Alors, tu veux répondre, Spectrine ? Bah, c'est leur pôle principal, mais déjà, ils ont aussi, si je dis pas de bêtises, ils ont un pôle sur Terre, et comme d'ailleurs toutes les grosses boîtes de Star Citizen. Et ensuite, bah, ils vont, enfin, c'est comme un concessionnaire automobile, si tu veux. Tu vas avoir un pôle principal à un endroit, qui est la maison mère, et ensuite, tu vas avoir plein de succursales un peu partout dans le monde. Et justement, c'est pour compléter ce truc-là pour Miss Gremlins. Hearthstone, par rapport à beaucoup d'autres boîtes, grandes boîtes, a une particularité, c'est qu'elle est assez peu distribuée avec des enseignes Hearthstone Dynamics dans l'univers. Elle va beaucoup plus sous-traiter qu'elle ne va se montrer avec son travail direct. Dans le sens où tu vas avoir du Hearthstone partout dans la galaxie, mais elle va employer beaucoup de main-d'œuvre sous-traitante pour le faire en dehors de sa propre société. Alors, sur Hearthstone Dynamics, est-ce qu'il y avait autre chose comme question que vous aviez ou que vous vouliez dire? Parce que, effectivement, ici, bon, bah, pour les besoins du stream, et puis on va devoir bientôt se poser pour pouvoir faire le focus chip du Caterpillar. Mais si possible, Zokoy, s'il y a moyen d'aller là où il y a du soleil ou de la lumière, ce serait pas mal pour faire le focus chip. Par contre, ce que je voulais dire concernant le Hearthstone Dynamics Building, c'est là que se trouve effectivement le magasin des armes. Et je crois qu'on se rend vraiment compte de la taille des armes que l'on équipe sur un vaisseau que quand on visite ce magasin, ou plutôt cette salle d'exposition, hein, vous musée. Êtes d'accord? Ce musée, tout à fait. Ah oui, tu parles du screenshot. Ah oui, c'était le screenshot, ouais. Je crois que j'avais vu justement sur le Discord, et puis Spectrate, je l'avais partagé, on avait vu taille 1, taille 2, taille 3, ouais, l'une au-dessus de l'autre, et on voyait les différences. Tout à fait. Oui, donc, c'était... Il y en a qui font trois fois la taille d'un humain, tu fais miam, le calibre il doit être sympa. Ils ne font que des armes alors, Hearthstone Dynamics? Ou ils ont fait un peu autre chose? Alors, les produits, justement, Hearthstone ne fait effectivement que deux produits phares qui sont les armes laser à cascade quantique et les canons à électrons, tout simplement les repeaters laser et les canons. Et ce sont leurs deux produits phares. Apparemment, il y aurait des théories comme quoi en ce moment, ils sont en train de travailler sur une nouvelle arme, mais sachant que ce ne sont que des rumeurs, on les garde de côté. Même s'il y avait un indice important qu'un jour, il y aurait eu une fuite d'un de leurs laboratoires d'armement, voilà. Et à la seconde où il y a eu une fuite, ils ont mis la tête à prix de celui qui s'est enfui avec la mallette d'information à 10 millions d'UEC quand même, ce qui est totalement rarissime dans les primes. Et donc ça a relancé la polémique, et les gens se sont dit, et voilà, c'est un projet énorme. Dans toute théorie, il y a une part de vrai déjà. Tout à fait. C'est ça. Non, la théorie que j'avais entendue justement par rapport à ça, c'est que c'est l'arme adésienne qui aurait été retrouvée par une unité d'archéologues justement de Hearthstone Dynamics. Mais ça, par contre, c'est vraiment de la théorie. Bah, on le verra bien lorsqu'on aura une planète coupée en deux. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si c'est vraiment une arme adésienne, je pense que les vendules ne feront plus tellement un problème. Pour ceux qui nous suivent, qui ne connaissent pas, en gros, le peuple des Adésiens, c'est un peuple éteint qu'on n'a pas pu côtoyer parce qu'on a trouvé leur système, donc le système Hadès, pour ça qu'on les a nommés comme ça. On a retrouvé le système complètement dévasté, toutes les planètes étaient complètement dévastées, et notamment la quatrième qui était littéralement coupée en deux. Donc, voilà. Donc pour comprendre... Mais voilà, des humains, ça traîne. Non, pas des humains. On a retrouvé des bâtiments, on avait quelques concept art, on les a pas là, mais on avait quelques concept art, on avait
on voyait des couloirs souterrains, des failles un petit peu comme des grands canyons qui s'étaient creusés d'eux-mêmes, la planète qui était vraiment coupée en deux. Mais on ne connaît vraiment rien de cette espèce et ça reste un grand mystère aujourd'hui pour les archéologues et les historiens de l'UEE. Tout ce qu'on sait, c'est que ce qui a permis, en gros, enfin, ce qui a engendré la scission de leur planète en deux hémisphères différents, c'est la dernière arme qu'ils ont réussi à construire, qui d'ailleurs les a menés à leur perte. Ah oui. Voilà. Et donc, si vraiment Hurston a réussi à mettre la main sur une telle arme, je pense que les Vendules ne seront clairement plus un problème. Concernant toujours le Hurston Dynamics Building, donc ici la 3.6 va arriver. Est-ce que les plateformes du dessus de l'immeuble, je ne sais pas si on en a entendu, on en a parlé, les plateformes au-dessus de l'immeuble de Hurston Dynamics Building vont être disponibles? Est-ce qu'on va pouvoir grimper réellement dans ce building? Alors ça, tu vois, j'en ai aucune idée. Voilà. Ah ben, c'est bien. Il me semble qu'ils avaient dit qu'ils pourraient le faire. Ouais. Ouais. Parce qu'à 890 jump, ça va pas se poser n'importe où. Non, c'est pour des chasseurs. Hein. Ça, il y a des entrées dans le bâtiment au niveau à peu près au milieu. C'est plus pour des petits transporteurs. Oui. Je pense que tu pourras faire entrer du 890 là-bas. Pour le moment, on sait par rapport à Crusader, mais c'est vrai que par rapport à Hearthstone, on n'a pas encore énormément d'informations vis-à-vis de ça. Ok. Alors, on va peut-être passer, pour ne pas trop traîner non plus, sur le Crusader Industries. Donc, Crusader Industries, c'est un peu différent. On en a un peu discuté avec les chroniqueurs juste avant. Ben, ce n'est pas une société d'armement, proprement dit. C'est une société qui construit des vaisseaux. Et nous avons amicalement, gentiment et on va dire affectueusement appelé Crusader Industries JPEG Dynamics. Parce que, alors voilà, si vous comprenez un peu le lien, c'est qu'il n'y a aucun vaisseau in-game actuellement de Crusader Industries. Et donc voilà, Trent, que penses-tu qu'il soit important? Il n'y a pas, mais c'est des très beaux concepts en tout cas. Voilà, c'est des beaux concepts. Mais Trent, que penses-tu vraiment qu'il soit important de retenir aujourd'hui sur le Crusader Industries? Bah, très important à retenir, c'est qu'à la base, Crusader, c'est une marque qui produit très peu de modèles différents. Il n'y en a que trois. Hein. On les connaît tous, pour beaucoup, depuis un certain temps. On a le Mercury Star Runner, l'un des derniers arrivés, le fameux Faucon Millennium, pour le transport de données. On a le Genesis Starliner, donc, qui est leur produit phare, leur premier grand produit. C'est un vaisseau de transport de passagers civils ou de marchandises. Hein. Il y a différentes versions, c'est un peu comme nos A380 d'aujourd'hui. Et on a le Hercule Starlifter, donc qui existe en plusieurs variantes. Hein. On a des variantes de transport civil à la base. D'usine, c'est un transport civil. Le A2, si je dis pas de bêtises. J'avoue que je me suis emmêlé dans les références. Le C2, le civil, c'est le C2. C'est le C2, d'accord. Et du coup, il y a les versions plus militarisées derrière qui ont été distribuées pour l'armée ou pour les supports en zone de guerre, notamment. Le M2, qui est la version militarisée, et le A2, qui est le bombardier. C'est ça. Et du coup, voilà. Mais quand tu fais le compte, il n'y a que trois gammes de vaisseaux, ce qui est assez restreint comme marché, c'est vrai. Mais ils ont un gros avantage, et ça, faut pas l'oublier, c'est que l'Imperator utilise actuellement un modèle modifié d'un Genesis Starliner, donc version A380, une version modifiée, et ils l'ont renommé, et ça, je pense que vous allez comprendre pourquoi, ils l'ont nommé le Imperator One. On voit bien l'inspiration tirée de l'ancien régime de l'Alliance nord-américaine. Donc c'est vrai que ça fait chaud au cœur, comme ça peut faire bizarre d'entendre ce nom. Mais ça fait un énorme coup de pub pour la marque. Marque d'ailleurs assez luxueuse, mais on y reviendra sur les prochaines questions vis-à-vis de Crusader. Alors, sur Crusader Industries, je regarde dans le chat en vitesse s'il y a quelqu'un qui a des questions sur cette société ou cette entreprise. Ou est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire sur Crusader? Les chroniqueurs, n'hésitez pas si vous avez des questions pour Trent et Spectred au sujet de Crusader. On n'a pas de données au niveau de la roadmap sur quand sera implémentée la station Horizon sur Crusader. 3.9. Ici, on a entendu parler de la 3.9. Trent, tu confirmes? Je ne sais plus en quelle version ça doit sortir. Par contre, il faut faire attention sur ce que vous venez de dire parce qu'ils avaient dit que le nom Horizon n'était toujours pas confirmé. Ils l'ont publié, ils l'ont communiqué. Voilà, cherchez le mot. Ils l'ont communiqué, mais ils avaient précisé dans leur post que le nom n'était potentiellement pas définitif et qu'il serait peut-être amené à changer. Je pense qu'il y a peu de chance parce que
voilà, le nom colle plutôt bien, surtout avec les concept art qu'on a, ça, le nom va très bien avec, je trouve. Même si on a toujours qui vont me contredire parce que j'aime bien ce nom. Mais Horizon, non, effectivement, il devrait sortir avant la Quad 2.0. Et ce qui est intéressant sur Horizon, notamment, c'est que tout est respirable. Je le disais tout à l'heure en tout début du Sunday Stars, l'atmosphère haute de Crusader est respirable. Et ça, les gens ne le savent pas, mais Crusader, il y a une tentative de terraformation. Parce que ce n'est pas juste une géante gazeuse, elle a un noyau rocheux. Et avec une atmosphère en fait fine en densité, mais très épaisse en taille. Ce qui fait que donc c'est une géante gazeuse reconnue. Le problème est le suivant. Vas-y. C'est aussi pour ça que d'ailleurs les seuls endroits qu'on sera amené à voir en termes de bâtiments et de lieux, ce seront des stations qui flotteront en fait dans la haute atmosphère de Crusader. Et tu serais surpris de savoir qu'il y a des habitations à la surface. Parce que Crusader Industries loge d'ailleurs très bien, c'est l'une des entreprises avec le taux de satisfaction le plus élevé, parce qu'en comparaison, Hearthstone Dynamics, le taux de satisfaction des salariés, il est 0,5 sur 10. On n'a pas malheureusement le chiffre de Crusader, mais honnêtement, on a un miroir parfait. D'un côté, on s'imagine le travailleur avec sa clé à molette, la suie pleine des yeux et qui se fait fouetter, et de l'autre, on imagine Horizon, ou plus généralement Crusader Industries avec la planète, qui offre des logements de vie de bonne qualité sur les plateformes et dans des dômes à la surface à ses employés. Et d'ailleurs, il est considéré comme étant le plus beau port du système Stanton, Horizon. Maintenant, Horizon, tu vois, c'est clairement défini, en tout cas écrit tel quel dans la roadmap. Mais c'est vrai que lorsque moi, je m'étais rendu à la BritizenCon et qu'il y a eu les panels, que ce soit Brian Chambers, ou les autres intervenants au niveau des développeurs, ils ont quand même précisé qu'Horizon restait provisoire, c'est vrai, ils l'ont dit. Mais je pense qu'à partir du moment où ça va rentrer dans le langage, je ne sais pas s'ils ont intérêt à le changer, ou en tout cas pourquoi est-ce qu'ils ne le conserveraient pas. Là, il y a le Mercury qui s'affiche ici à l'écran, au-dessus. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui l'attendent, ce vaisseau-là. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui le possède, ou est-ce qu'il y en a parmi les chroniqueurs qui le possèdent? Je crois savoir que Krimibas l'a, je pense. Ouais, mais je pense qu'on est plusieurs à l'avoir pris, parce qu'on avait besoin d'un transporteur. Demande plutôt à Krimibas quel vaisseau il n'a pas, ça ira plus vite, je pense. C'est effectivement une bonne question, donc on peut se dire... quel vaisseau il n'a pas. Mais c'est vrai que voilà, les Crusaders, je suis assez d'accord, ils sont tous magnifiques, mais pour l'instant, voilà, ça reste des images, hein, on est d'accord. Et le GZ Starliner... On n'aura pas le grand transporteur en premier, on aura le moyen pour le data. Le petit, ouais, d'abord, ouais. Zoko, on se pose tout doucement. Comme ça, je t'ai et tu m'aideras, je te filmerai pendant qu'on fait on va faire la visite guidée. Il est 8h22, les amis. Quelque chose à ajouter, Spectre et... Je voyais une des phrases de Starbomber qui disait en gros que dans le lore de Star Citizen, Hearthstone c'est l'esclavagisme et Crusader c'est la bourgeoisie. C'est plutôt que, en gros, les conditions de vie sur ces deux planètes sont complètement différentes. Hearthstone, elle a été ravagée, là où Crusader, au contraire, ils ont fait en sorte de la préserver. Du coup, il y a une condition de vie qui est plus intéressante et... Du coup, moralement, ça a un impact général sur les conditions de vie. Enfin, voilà. Après, c'est vrai que Hearthstone ne sont pas connus pour leur méthode. Ils ne sont pas connus pour leur humanité, c'est sûr. C'est ça, il y a même des rumeurs, et ça sur le wiki c'est confirmé, il y a des rumeurs qu'il y aurait un marché esclavagiste souterrain vis-à-vis d'Hearthstone qui cherche vraiment la main-d'œuvre à tout prix, plus que la qualification. Et apparemment, ça donnerait pas mal de travail et de rémunération aux pirates et hors la loi en tout genre. Donc c'est vrai que ça reste à voir comme sujet. On verra le jour où le scandale Hearthstone arrivera. Bon, même si ça éclate... Et il y a aussi les groupes écologiques, c'est ça. Tellement ils s'en fichent, Gavin Hearthstone, l'actuel PDG, il s'en fiche, il y a l'ACMP, donc l'Alliance Citoyenne pour un Monde Propre, et le PCVS, donc le Projet de Conservation de la Vie Sauvage, qui sont deux groupes écologistes dans l'univers. Ils manifestent en permanence sur Hearthstone, et il y a même certains mouvements qui ne sont pas ceux-là, qui sont plus radicaux, qui attaquent directement les convois Hearthstone Dynamics avec des primes illégales. Gavin Hearthstone n'en a littéralement rien à faire, puisqu'il décore même son salon
avec des têtes au mur d'espèces comme les Osoyan, les j'arrive pas à le prononcer, O-I-A-N, Osoyan, on va dire, je suis désolé pour la prononciation si quelqu'un connaît la prononciation, et les Flatcat, qui m'a fait beaucoup rire quand je l'ai entendu ce nom. Donc il envoie balader des groupes écologistes. Sachant que c'est deux espèces qui sont théoriquement protégées et qu'on n'a pas le droit de les avoir, hein, clairement. Oui, voilà, mais c'est pour ça. C'est... Et j'attends de voir s'il y aura, quand est-ce qu'il y aura un scandale Hearthstone en justice, bien que on peut toujours rêver. Ça me fait penser un peu à Altered Carbon, c'est-à-dire que dès lors que t'es j'ai oublié comment ils appellent ça dans la série, mais dès lors que t'es un mat, ah oui c'est ça, c'est le terme, c'est un mat, donc dès lors que t'es riche, t'en as rien à faire des lois, clairement. Et Hearthstone est la définition même de ça. C'est ça. Et du coup, voilà pour Hearthstone. Alors, nous allons passer à la dernière rubrique. Merci à tous, merci messieurs, merci Trent et Spectred pour cette animation en duo du Sunday Stars d'aujourd'hui, où nous nous sommes cantonnés vraiment à deux parties du système Stenton. Nous passerons plus à la Star Map et à la géographie. Je vais dire de Stenton que nous connaissons plus que n'importe quel autre système vu qu'on voyage à l'intérieur lors de la semaine prochaine, lors de l'épisode 8. Voilà. Alors, hola Zoko, tu viens de disparaître. Non, alors, je suis là. T'es là. Alors Zoko, dis-moi comment je peux te suivre et on peut commencer par le cockpit et nous allons faire un petit peu la visite guidée. Je suppose que. Alors. Cockpit, voilà, moi je te suis, je te dis, tu me dis où tu dois, je vais te suivre et on va essayer de faire la visite guidée. Alors, je on va passer tous les modules. Alors attends, parce que je ne t'ai pas vu passer, je t'ai pas vu partir. Tu es à 21 mètres, tu es en dessous ou au-dessus? Non, il a monté, il a monté en tant que toi, tu descendais. Voilà, bon, alors je remonte. Et donc vous êtes dans un Drake ici, c'est le Drake Caterpillar, donc je pense qu'ici. Beaucoup le connaissent, certains le connaissent peut-être même sans le connaître. C'est mon cas en tout cas, je l'ai assez peu visité. Il est tout en longueur et est-ce qu'on peut vraiment caractériser ce vaisseau par un vaisseau de transport? Ah, tout à fait, oui, tout à fait. C'est même la raison d'être de ce vaisseau, enfin en tout cas dans la configuration actuelle. C'est un vaisseau de transport, c'est d'ailleurs le plus gros vaisseau de transport disponible actuellement, hein. Oui. Pas en taille mais en capacité de soute. Oui. C'est le gros qui est disponible. Combien de SCU pour l'instant pour le... Alors, c'est pareil, c'est un peu sujet à débat parce qu'en fait, en fonction de l'endroit où on va se trouver, où on va charger des marchandises, on n'aura pas le même nombre. Il y a des consoles où on va être à 566 et d'autres consoles où on sera à 576. Ah oui. Et l'unité officielle donne 576. C'est quand même énorme parce que je ne sais toujours pas si dans un 890 on aura autant. Parce que pour l'instant, j'ai plus vraiment les infos. Il parlait de 1600 SCU, mais je crois que ce ne sera pas confirmé. 380, je crois qu'ils avaient dit. Voilà. Donc ce ne sera pas. Ouais. Dans ces eaux-là, ouais. Donc le Caterpillar va rester très longtemps, je pense, le vaisseau de transport un peu ultime. Le Hull sort en fin d'année comme prévu, non, ce sera plus le premier. Ah oui, le Hull, ça va être du lourd, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a à dire ici sur le cockpit? Donc c'est un cockpit un petit peu dans la lignée de Drake, avec, voilà. Je vais dire un petit peu à l'avion de chasse, avec le pilote et le copilote à l'arrière. Le copilote à l'arrière. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ici sur sa puissance et sa vitesse par exemple? Il n'est pas très rapide. Oui. Ça c'est clair, c'est pas le vaisseau le plus rapide. Alors après, malgré tout, il est assez manœuvrable. Oui. Par rapport à sa taille, par rapport à un Starfarer, on va dire, hein, qui est un peu l'équivalent en termes de gabarit, il est plus manœuvrable qu'un Starfarer. Je demanderai aux chroniqueurs si vous pouvez nous relayer les questions du chat, parce que comme je fais la visite, je n'ai évidemment pas l'info. En tout cas, je ne vois pas, le Streamlabs et le chat. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Effectivement, est-ce qu'on peut ici dire que c'est un canopy ici? On se trouve vraiment dans une verrière qui est en dehors du vaisseau, un petit peu comme le Faucon Millenium, hein. Oui, un peu dans le même genre, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Après, il faut savoir que le poste de commandement... Ce qui est à noter, c'est qu'il n'est pas symétrique. Il n'est pas symétrique, il n'est pas symétrique, effectivement. Il n'y a pas... Il y a le Drake et j'aime bien. C'est fait en matériaux recyclés, hein, Drake, c'est fait au plus simple. 100% éco-responsable, il tient avec du chewing-gum à la menthe. Voilà, c'est ce qui est noté sur un des rayons tracteurs, d'ailleurs. Sur l'autre côté du vaisseau, c'est marqué 100% recyclé. Alors je sais pas si vous voyez, mais je l'avais pas remarqué, Zoko nous a quand même posé
Je vous le montre ici, on voit quand même le bâtiment Hurston Dynamics qui a l'air d'être quand même à quelques dizaines de kilomètres, mais voilà. Il fait 4 km de haut, hein, le bâtiment. Oui, donc on le voit d'assez loin. On pourrait être même à 50 km si ça se trouve. Difficile à le dire, mais je crois qu'on est très loin. On est loin. Pour revenir sur le caterpillar, je trouve que ce qui est intéressant à propos de ce vaisseau, c'est que normalement, tu pourras détacher la partie de pilotage du reste. Ah oui ? Voilà. Ouais, ouais. Et ce sera un vaisseau. Ah oui, donc on pourra laisser le caterpillar en orbite et partir avec ce. En fait, la grande particularité de ce vaisseau, c'est que c'est un vaisseau qui permet de transporter des containers, en fait. Il faut voir en fait la partie cargo comme un gros container, et on peut détacher en fait le cockpit pour s'inclure sur un autre container, qui est très très pratique et ce qui sera très très pratique. Et surtout sur le poste de commandement, justement à l'étage du dessous, on a un rayon tracteur justement qui va nous servir à pouvoir charger dans les conteneurs. Mais c'est où qu'elle se fait la césure de séparation? C'est à la base des quatre grands, caveaux, des quatre grands conteneurs à l'avant, tout simplement. C'est voilà là où zoom. On remarque quand même cette double porte assez épaisse. Donc c'est une double en fait. Hein. On remarque il y a un rail, un deuxième rail, un troisième et un quatrième. Donc là, la séparation doit se faire à ce niveau-ci. Là, ici. La séparation se fait au niveau du cockpit. En fait, on peut séparer le cockpit entier du cargo entier. Oui. On sépare toute la passerelle du vaisseau. Mais est-ce que ça le fait avec... Merci, Fox. Je crois qu'à l'arrière de la passerelle du vaisseau, il y a une échelle qui descend à l'étage inférieur. Est-ce que là aussi, ça coupe? Je reviens. Sur l'image, ce qui a été présenté, c'est vraiment la boule constitue le cockpit qui se sépare entièrement de la partie du reste du vaisseau. Les moteurs, le cargo. J'allais dire, il se sépare de la partie salle des machines, moteurs, cargo et tout. Ok, d'accord. C'est vraiment. Ça doit ressembler à un Herald en version XXL, je pense, quand il se détache, je suppose. Ça serait pas éventuellement aussi pour servir d'escape pod géant? Ouais, probablement, oui. C'est prévu. C'est pour ça d'ailleurs qu'à l'étage du dessous, sur le cockpit, il y a une porte qui ne fonctionne pas, mais qui servira sûrement pour rentrer plus tard. Ouais. Ce sera l'accès normal quand le poste de commandement sera détaché. Alors derrière le cockpit, Zoko, il y a aussi deux autres sièges. À quoi servent ces deux autres sièges? C'est pour le siège du support, mais bon, pour l'instant, je n'ai pas d'informations supplémentaires là-dessus. Alors une caractéristique quand même, je dirais même deux caractéristiques, je vais descendre l'escalier, je suppose que tu es là en dessous, je vais te rejoindre. Voilà. Y a quand même quelque chose que je ne connaissais pas, il y a ici un tractor beam, donc il y a un vaisseau tracteur. Qu'est-ce que tu peux nous dire, parce qu'il y a ça sur aucun autre vaisseau aussi, j'arrive pas à descendre. Si, le 315P par exemple qui vient de sortir, il y en a un à l'avant. Ah oui, un 315P, donc il y a aussi un rayon tracteur. Et il y a une console d'ingénieur également ici. Il y a le réclameur aussi qui a des rayons tracteurs, si je ne dis pas de bêtises. Le cutlass aussi, il me semble. Ouais, le cutlass aura un rayon tracteur. Puis d'ailleurs, il y en a deux sur le caterpillar de tracteur, de rayon tracteur. Alors ici, on est toujours dans la partie détachable, si je comprends bien. Ouais, avec effectivement une pièce de vie, on voit ici deux lits également, une petite table pour s'asseoir. Bon, c'est très spartiate, mais bon, on est dans un Drake également. Hein. Donc, les draps n'ont pas été repassés ce matin, mais ça, c'est pas très grave. Quand t'es pirate, hein. Voilà. Et alors, ici, il y a une console. Quelle est cette console, si Zoko? C'est le tractor beam, justement. Ah, c'est ici le tractor beam, d'accord. Donc là, on voit bien. Et sur la gauche, t'as la fameuse porte qui, pour l'instant, ne sert à rien, mais qui sera probablement la sortie pour sortir, justement, du poste de commandement quand celui-ci sera détaché. Ah oui, impossible de l'utiliser actuellement. Non, pour l'instant, non. Ben voilà. Bon, on va te suivre, Zoko, pour la suite de cette visite, alors. Donc, tu peux nous emmener où tu veux. Je vais essayer de te suivre. Ah oui, donc là, il n'y a plus d'accès. On est obligé de repartir par d'où on est venu. Ouais. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le Drake, parce que Zoko en connaît un rayon. Il le connaît. Il a parcouru dans les moindres centimètres de long en large. Donc, pour moi, c'est un labyrinthe, mais Zoko connaît exactement chaque endroit. Voilà, je te suis. Imagine quand tu découvriras un classe rétribution, s'il y en a dans Squadron 42, il faudra un nombre incalculable d'heures pour faire le tour. Ouais. Donc ça, c'est la sortie EVA. Ça, c'est la sortie EVA. Qui ne fonctionne pas non plus. Hein. D'ailleurs, il n'y a rien de nouveau qui a fonctionné depuis sa sortie en 2.6. Hein. Depuis décembre 2016, ils n'ont jamais rien refait dessus de nouveau. Ah oui, et donc décembre 2016. Ouais,
Ah oui, donc ouais, il n'a plus rien fait. Quoi. Donc... Bah, tu peux même voir que les boutons sont un petit peu... ont l'air de manquer de détails. Ah oui, même tout à l'heure, on ira voir au niveau des moteurs. Je trouve que c'est vraiment la partie qui fait vraiment le plus cheap dans le vaisseau. Oui. Alors, ok, je me retourne. Voilà, je te suis. Il y a quelque chose par là Oui, bah, on va retourner dans les modules de cargo. Hein, donc là, il y a les modules. Et donc, il y a deux façons d'arpenter ces modules de cargo, si j'ai bien compris. Il y a... Oula, on a un petit bug d'affichage, là, ici. Oui, ah, bah, oui. Ça, c'est propre. Hein. Ça, c'est partout dans le vaisseau. C'est le cactus, ce sont les cactus. Surtout dans les rampes. Hein, voilà. Les rampes, là, ouais. Alors, il y a deux façons de l'arpenter de long en large. C'est la passerelle haute à gauche. Voilà. Et puis, on a la partie basse. Combien y a-t-il de modules cargo sur le Drake, enfin, sur ce Drake-ci ? Alors, officiellement, il y en a 4 qu'on pourra changer. 4, oui. Ce sera la réalité du vaisseau, plus un cinquième qui est tout à l'avant, qui là est vraiment l'avant du vaisseau. Donc, savoir qu'en tout, on a pour plus de 50 mètres de cargo. Ah oui. Alors, je me demande justement, est-ce que si on décide de ne pas aller dans les atmosphères et vraiment rester dans le domaine de l'espace, est-ce que une seule partie bloc moteur cockpit pourrait... contenir, enfin pourrait pousser plus de conteneurs de transport, puisque ça, techniquement il n'y aurait pas vraiment d'amplitude vis-à-vis de gravité, hein, ouais, de problème de gravité ou autre, donc j'attends de voir vraiment la mécanique qu'ils vont mettre en place. Est-ce qu'il va y avoir un blocage manuel technique fait du côté de CIG pour empêcher de mettre 25 cargos sur un caterpillar, ou est-ce que c'est vraiment... Ou est-ce que c'est vraiment pesable? Un joueur avec qui j'avais parlé d'ailleurs, m'en avait pas mal parlé, il m'avait dit que ça allait être bloqué justement au niveau des boucliers, au niveau de la gestion des boucliers. Du coup, si on met trop de longueur, ça pourrait sûrement coincer à ce niveau-là. La structure, quand même, il y a du frottement entre les matières. Si tu commences à mettre une longueur énorme, peut-être que tu vas avoir le vaisseau qui va casser. J'imagine un truc, parce que tu parles de frottement, après, si tu restes juste dans l'espace, que tu n'entres pas dans les atmosphères, ça devrait aller. Mais imagine, je viens de penser à un truc, tu rajoutes tous les 4 conteneurs, et ben le cinquième, à chaque fois, tu rajoutes un conteneur à l'intérieur, tu as toute une partie moteur intégrée. Oui, genre, oui, t'as alors un tu moteur, fais un énorme. Des passes de chaque côté et un gros générateur, plus générateur bouclier de gravité. Oui, là, tu pourrais. Ouais. Tu vas faire un super tanker qui va faire 55 conteneurs de long, tu sais. C'est ça. En sachant qu'au niveau des modules qui seront prévus, bon, il n'y a pas vraiment d'infos. Bon, tout le monde a pensé aux modules de combat, d'exploration, de réparation, médical, habitation, recherche, transport de passagers, citerne de carburant, recyclage. Alors, il y a toutes ces idées-là en tête. On n'a pas d'infos pour l'instant, en fait. C'est comme si on parlait des ascenseurs, là il y a 11 accès pour rentrer dans le vaisseau. Faut savoir que les portes normalement peuvent toutes descendre comme un ascenseur, elles ont deux positions. Mais qu'il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, ils ont posé une question quand est-ce qu'ils allaient développer justement les systèmes d'ascenseurs. Ils disent qu'ils peuvent le faire, mais que c'était pas pour l'instant. Alors, il est 8h37, Zoko, est-ce que tu peux quand même nous montrer peut-être la salle des machines, qu'on puisse voir un petit peu là à quoi ça ressemble. Il me semblait qu'elle était intéressante, je te suis. Donc on a vu, il y avait un chiffre 4, un chiffre 3, voilà, le chiffre 2 et le chiffre 1, effectivement. Donc c'est quand même des fameuses baies, mais parce que vu de l'extérieur, on ne se rend pas compte, mais il y a quand même de la place. Hein. C'est quand même... Alors une autre pièce de vie ici. Ils peuvent encore l'aménager autrement. Hein. La salle d'après ne sert strictement à rien, par exemple. Là, là c'est l'ascenseur où on rentre. Oui. L'accès, là, à partir de là, ça ne sert strictement à rien ce qu'ils ont fait. Voilà, là, c'est la trappe. Ce couloir qui ne sert à rien, ouais. On doit passer par la... On aurait pu faire l'hélice, Zoko, quand même. Ouais. Tout à fait. On arrive sur la salle des moteurs. Là, à cet endroit-là, on a l'escalier qui permet aussi à nouveau d'atteindre le poste de commandement. Mais bon, toute cette partie ne sert à rien. C'est quoi ces modules jaunes là qui sont mis en série? C'est des moteurs. C'est des moteurs? C'est des moteurs électriques? Qu'est-ce que c'est exactement? Ouais, c'est le moteur du vaisseau. C'est le moteur du vaisseau. Des V12. Mais ils sont quand même alimentés par, comme le reste, par du fuel. Voilà, ils font... Voilà. Alors Drake Interplanetary, ok. Ça, c'est les réservoirs de carburant. Il y en a déjà des fameux. Voilà, et là, la console, on sait à quoi... C'est la console d'ingénieur ici, hein. Ouais. Est-ce qu'on sait à quoi elle va servir? Quels gameplays sont prévus pour ça? Pour l'instant, non, pas vraiment. En tout cas, quand on s'y connecte, il n'y a rien moyen de faire. Hein. Je m'étais connecté tout à l'heure, mais je n'ai pas regardé si les écrans... ils affichent quelque chose? Non, rien. Non, ouais. les commandes de copilote, ce qu'ils mettent toujours à la place en général. Rien de particulier. En tout cas, il fait chaud ici. En tout cas, on est au cul du vaisseau, là. On est vraiment tout au fond. On ne sait pas aller plus loin.
Et alors il y a un accès, donc là, ah oui, donc là ici on a la tourelle. C'est la tourelle du dessus celle-ci, c'est possible? Ou du dessous? Je ne saurais plus dire. Du dessous. C'est le dessous. Donc là si je rentre dedans, mais est-ce que je ne suis pas à l'envers? Si, hein. Si. Voilà, c'est ça. C'est caractéristique parce que... Oui, il n'y a pas beaucoup de vaisseaux où on est à l'envers, en dessous en fait, en général. On est à l'endroit en général quand on se met dans une tourelle, dans un vaisseau. Si, les constellations, t'es en dessous aussi. Oui, t'es en dessous. Ouais, mais tu n'es pas renversé. Dans une constellation, tu es à l'endroit. Tu vois, t'es en dessous, mais t'es à l'endroit. Ah, Zoko, je t'ai perdu. Mais c'est peut-être moi qui lag. Hein. Donc voilà. Alors, je vais essayer de sortir ici du vaisseau, si j'en ai la possibilité. Voilà, si ici, une rampe d'escalier. Ouh, je me demande si le serveur n'est pas en train tout doucement de nous dire zut. Voilà, j'arrive ici et nous voici. Je crois que je vais terminer ici sur cette base-ci. Merci Cousin Dessu pour ton follow. Alors j'ai raté Silverbird, il était déjà là. Ben voilà, et bonjour Dudy. Je dirais poste radar au rayon tracteur. Donc voilà, et le regard était déjà là. Bon, alors chers amis chroniqueurs, est-ce que vous avez une dernière question sur le Drake ou sur l'émission en général? Si vous êtes toujours là, chers amis. Oui, on est là, on a eu Discord. Discord était en PLS. Voilà, on a eu. J'étais pas le seul. Voilà. Donc. Merci Spectret pour les images que tu m'as envoyées. Donc, ben, on va terminer tout doucement là-dessus. Je voudrais vous remercier tous, chers chroniqueurs. J'ai oublié d'afficher parce que je passe mon temps à faire des petites affiches. Puis si après je ne les montre pas, je vois pas à quoi ça sert. Donc, nous avions ici la team du jour, donc l'amiral D. Trent, nous avions Nekové, nous avions Zoko, nous avions Spectre Demons. Alors en pilote, Zoko, ouais. Et si Zetoya voulait être là en copilote. Et en invité, nous avions notre Gremlins. Voilà, je viens de me retrouver dans Port-Elisard, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé. Tran, est-ce que tu n'avais pas une surprise pour nous? J'ai une surprise de fin, hein. Donc là c'est quand l'émission sera terminée que j'aurais dit au revoir, je vais dire à nos chers hôtes. Alors je profite de cette fin d'émission pour signaler qu'effectivement le 30 juin ce sera Nekové qui sera aux commandes. Donc il y aura encore l'épisode 8, donc ici l'épisode sera la semaine prochaine le 23 juin à 19h. Je voudrais bien que dans le chat, je profite que vous soyez encore là, pour que l'on vote les deux systèmes de la semaine prochaine. Alors Trent Spectre, pardon, que nous proposez-vous? Ah oui, non, c'est au fait Stanton 2, pardon. Voilà, c'est juste, j'étais parti sur Stanton 2. Il faudrait avoir une réflexion pour qu'à la fin de l'épisode 8, proposer deux systèmes. Je ne sais pas si vous y avez déjà réfléchi, parce que l'épisode 9, ce sera Nekové qui sera aux commandes, parce que je ne serai pas chez moi et je n'aurai pas la possibilité d'animer, en tout cas, et d'être à la technique. Donc je remercie déjà Nekové. Je serai à l'étranger, mais je serai là en vocal. Donc j'aurai préparé l'émission avec les chroniqueurs et nous aurons quand même, malgré tout, pour l'épisode 9, une émission. Une belle émission. Voilà, une belle émission, alors, j'espère. Voilà, puisque pour le sera fun, animé. Les deux systèmes que je peux proposer, c'est Coruscant et Kylian. Alors, Coruscant. Ça c'est vraiment pour que Kylian passe la semaine prochaine, hein. Voilà. Et donc j'en profite pour dire que voilà, après l'épisode 9 il n'y aura pas d'épisode le 7 juillet et le 14 juillet, donc on fera une petite pause de 3 semaines entre le 30 juin et le 21 juillet. Si tout se passe bien, il est possible que nous ayons le 890 jump et à ce moment là il est possible que l'on fasse l'émission et ce sera le chip du jour. Chip of the day. Chip of the day. Alors, je rappelle en même temps que si nous sommes une moyenne, et ce n'était pas encore le cas aujourd'hui, je pense, mais si nous sommes une moyenne de... Alors, il faut que j'enlève l'affiche qui m'ennuie ici. Voilà. Si nous sommes une moyenne de 30 viewers, je ferai gagner un Thumbrill Ranger lors d'un Chaos Quit. Hein. Donc, voilà. Donc, soyez bien connectés. N'hésitez pas. En tout cas, voilà. S'il y a d'autres choses ou des giveaways que vous voudriez... Autre évidemment qu'un Orion ou qu'un Ulcé, voilà, n'hésitez pas. Mais il faut pour ça, pour que
ce soit au moins partageable et que vous aimiez cela et que ce soit techniquement faisable pour moi aussi. Voilà, que nous soyons au moins 30 viewers en moyenne. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on soit en tout cas des pics de 40 et que parfois nous soyons 20. Et si vous faites une moyenne, ben, nous arrivions à 30. Voilà. Et donc on essaiera encore un petit quiz code. Alors, l'émission se termine. Ici, on a donné beaucoup de temps par rapport à l'actu, plus que d'habitude. Évidemment, il y avait une émission supplémentaire. Il y avait le Pillar Talk qui est venu se greffer, donc on avait un petit peu plus de temps. Vous avez remarqué, je ne sais pas, Crimi, s'il a pu remarquer que j'ai fait un logo Focus Chip. Je remarque là maintenant qu'il n'est pas tout à fait centré, mais donc Crimi Bass qui sera là avec nous et qui sera notre expert vaisseau pour la semaine prochaine pour l'épisode 8. Et donc je vais mettre un terme à l'émission d'aujourd'hui et je vais laisser place à la petite surprise, et donc ça n'est autre qu'un générique de fin que je vais vous montrer ici. Et voilà, c'est un petit test supplémentaire car vous serez gratifié à chaque fois. J'aime bien faire des petits tests, faire des petites animations, et donc voilà, c'est parti. Merci à Neko, merci à Trent, merci à Spectred, merci Zoko, merci Gremlins et merci Zetoya d'avoir été là. Et merci à toi. Voilà. Merci pour l'invitation. Voilà. Et merci au chat. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le 23 juin, pour l'épisode 8. Voilà. Merci à tous et voici le générique de fin que je vous ai préparé.